Bonjour à tous. Donc je vais quand même me présenter. Claire Lassauge, moi je suis chargée de mission à la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté sur les filières bovins, enfin bovins viande, bovins lait, les fourrages et puis les bâtiments d'élevage. Donc pour recontextualiser l'organisation de ce webinaire, donc il est organisé dans le cadre du projet qui s'appelle Bovin Diffusion, qui se déroule au niveau régional et qui est coordonné donc par la Chambre régionale, d'où ma présence. Et ce projet Bovin Diffusion, il a pour objectif de diffuser enfin, des résultats d'essais, des témoignages, de partager des expériences aux agriculteurs et aux conseillers de la région. Alors plus particulièrement ici, donc, on se retrouve pour parler engraissement à l'herbe via le pâturage tournant. Et donc ce projet, il a été construit en trois étapes. Premièrement, vous avez certainement dû en voir passer certaines. Il y a eu des vidéos de témoignages qui ont été proposées. Donc c'est des éleveurs qui nous parlent, des éleveurs de Saône-et-Loire, pardon, qui nous parlent donc de leurs exploitations, de la mise en place du pâturage tournant au sein de leur exploitation, et puis qui font un retour sur leur expérience de l'engraissement à l'herbe, les atouts, les contraintes. Donc en tout, on a sept éleveurs comme ça qui vont témoigner dans des vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce webinaire. Donc l'objectif, c'est vraiment d'échanger autour de ces témoignages. Les équipes vous présenteront aussi des résultats techniques qui n'étaient pas forcément dans les vidéos. Donc là, c'est aussi pour approfondir sur ces témoignages. Et puis, bien sûr, c'est pour échanger avec vous. Donc vous pourrez poser vos questions. Ce qu'on vous propose, c'est que vous les posiez au fur et à mesure dans la conversation. Donc, si vous avez des difficultés à trouver comment ça fonctionne, enfin, n'hésitez pas aussi à lever la main et puis on pourra aussi vous donner la parole. Voilà, enfin, c'est deux petites règles pour qu'on passe un webinaire assez efficace. C'est essayer de poser vos questions dans la conversation. Et sinon, vous pouvez lever la main et ensuite on distribuera la parole. Donc, pour vous rappeler aussi, enfin, ou vous informer que ce webinaire, il est organisé donc par la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire avec Alsoni, donc, qui suivent les éleveurs dans cette mise en place de l'engraissement. Et on a aussi la Chambre d'agriculture de Côte d'Or avec un éleveur qui doit aussi se connecter pour témoigner. Et c'est un projet donc qui est cofinancé par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Bon, ces modalités passées, ce que je propose, c'est de laisser la parole aux équipes qui sont réunies, enfin vous les voyez, ils sont réunis dans une salle. Et donc ils vont prendre la main pour vous présenter les données techniques qu'ils ont à nous partager. Et je demanderai aussi à tous les participants, si vous pouvez, de couper vos micros quand vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît, tout simplement pour éviter les petits bruits parasites. Merci. Merci Claire. On va faire un petit tour de table pour nous présenter, sachant, comme tu disais, c'est un projet collectif qu'on a depuis au moins 4 ans. 4 ans, et qu'on a travaillé déjà à Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire avec Alsoni, où on a régulièrement des rapports sur ces sujets, pâturage tournant, etc. Et puis la Côte d'Or qui nous a rejoints et qui a aussi des choses à partager. Voilà. Donc moi, je suis Véronique Gilles, je suis conseillère d'entreprise à la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire et je m'occupe aussi de toute la partie fourrage-herbe sur la partie allaitante. Bonjour à tous, moi c'est Sarah Besambe, je suis technicienne bovin-viande à Alsoni Conseil Élevage, contrôle des performances qui regroupe 4 départements, l'Allier, la Nièvre, le Saône-et-Loire et le Rhône. Donc voilà, sur la partie engraissement à l'herbe, je vous présenterai là cet après-midi les résultats qui ont été suivis sur 4 années et plusieurs exploitations. Bonjour, Julie Losser, je suis conseillère d'entreprise sur le secteur Haute-Noire-Morvan, donc nord de la Saône-et-Loire. J'ai suivi un élevage dont les résultats sont ici la campagne dernière, enfin 2021. Donc, Cléane Hernandez, je suis conseillère fourrage à la Chambre d'agriculture de Côte d'Or.
Et donc, on va présenter au niveau de la Côte d'Or un éleveur qui a engraissé à l'herbe les années précédentes. Thierry Bréau, je ne suis pas conseiller à la Chambre, je suis simplement éleveur et qui fait partie des exploitations qui ont été suivies lors des engraissements à l'herbe. Et qui témoignera justement de l'évolution de son organisation de pâturage dans le temps et du pourquoi il a changé certaines choses. Donc Mathieu Javel, donc moi je suis conseiller fourrage à la Chambre d'agriculture de Côte d'Or et aussi donc sur les missions de contrôle de performance donc bovin croissance de Côte d'Or. Carnot Godard, bonjour à tous. Moi, technicien Alsonny conseiller élevage, donc avec une partie de contrôle de performance et une partie alimentation, et j'ai suivi pour ma part les pesées sur les éleveurs de Saône-et-Loire. Et donc Amélie Poulot, conseillère à la Chambre de Saône-et-Loire, et je m'occupe également de tout ce qui est conseil fourrage. Claire, est-ce que tu peux juste nous confirmer si on nous entend bien quand on parle? Oui, pour moi ça fonctionne, donc je pense que ça doit marcher pour tout le monde aussi. C'est tout bon. D'accord, merci. Donc alors là, pour la présentation là, des essais qui a été en... Je coupe. Donc par rapport aux essais là, qui ont démarré, je vais juste faire une petite présentation voilà, pour recadrer un petit peu le pourquoi on a démarré des suivis engraissement à l'herbe sur le département de la Saône-et-Loire. C'est venu dans un premier temps de la demande d'un éleveur qu'on a en suivi au contrôle de performance, qui est sur la zone charolaise sur la commune d'Oudry. C'est un éleveur qui fait de l'engraissement à l'herbe depuis très très longtemps et il y avait une demande en fait de un petit peu chiffrer ce que les bêtes une fois à l'herbe peuvent prendre en poids voilà qu'on puisse avoir un petit peu de référence et qu'ils puissent savoir où il en est. Donc il y avait eu ce premier suivi qui avait été fait en 2018. Avec des résultats qui avaient été présentés lors d'une porte ouverte chez lui. Sachant qu'à l'issue de ce suivi-là, en conclusion, on avait pas mal de retours en disant que l'endroit où on avait fait le suivi engraissement, on était sur des forts potentiels au niveau du terrain et que la finition des femelles à l'herbe était, on va dire, logique dans ce secteur-là. Du coup, on a eu la volonté au niveau de l'équipe de renouveler le suivi en introduisant des nouveaux éleveurs. Donc, c'était sur la demande sur le volontariat. Et dont l'objectif, là, c'était un petit peu d'acquérir des références sur les croissances de ces animaux et aussi sur les valeurs de l'herbe sur différents secteurs du département. Le deuxième objectif, c'était aussi d'identifier les paramètres pour maîtriser l'engraissement, donc dans un but de conseiller après les éleveurs qui veulent sauter le pas. Et puis à la fin, voilà, véhiculer l'information pour répondre aussi à une attente sociétale sur la partie, on va dire, bien-être animal. Donc juste en aparté, on voulait vous faire une petite photographie en fait des exploitations qu'on a suivies sur les 4 années avec la géolocalisation sur le département. Donc voilà, on avait un gros, on va dire, un vivier d'éleveurs là sur la zone charolaise qui était partante. En cours d'essai, on a eu un éleveur de l'Autunois qui s'est engagé en 2021 sur l'engraissement. Et aussi un éleveur sur la zone Bresse, ouais, voilà, Gaec Vincent, sur la zone de Bresse pour également faire les suivis engraissement. Donc sur les 4 années qu'on a eu en suivi, est passé sous nos mains un peu plus de 130 génisses. Donc dans ces génisses-là, il y avait des 2 ans et des à finir, quoi, des 30 mois, et un petit peu plus de 133 vaches. 133 vaches où il y avait en âge, ça allait de 5 à, on va dire, une dizaine d'années. Donc on avait un fort vivier d'âge sur les femelles. Donc sur la première année de suivi en 2019, on vous a refait un petit peu un point sur la croissance des femelles qui avaient été engraissées 100% à l'herbe. Donc on a détaillé les vaches des génisses.
Donc, on s'aperçoit, en fait, sur la partie des les croissances, on a une forte variabilité des croissances à l'herbe. Et en fait, au fil de la présentation, on va s'apercevoir que, ben, y a, en fait, il y a des modalités sur les, sur l'en, enfin, sur l'engraissement des femelles à respecter pour pouvoir être au mieux performant. Donc là, dans les croissances, on allait de, on va dire, 900 grammes jusqu'à 1,6 kg pour certains animaux. Avec des notes d'état en fait au début de la mise à l'herbe qui variait, et en fait on s'aperçoit que dans la note d'état en fait à la mise à l'herbe est très importante pour la prise de poids pour la prise de enfin, la prise de poids au printemps. Sur la partie des génisses, donc là pareil, sur la partie des génisses, on avait pas mal de femelles qui ont été 100% engraissées à l'herbe. Avec des croissances qui allaient, on va dire, de un petit kilo à jusqu'à 1,9 kg pour certaines, sachant que là aussi, on avait une forte variabilité en fait dans les notes d'état de début. On est allé de bêtes très maigres. Alors quand je dis très maigres, c'était pas des vaches qui, enfin, c'était pas des génisses qui mouraient de faim, mais c'était un bon maigre pour pouvoir démarrer l'engraissement. À des bêtes qui étaient en fait déjà, on va dire, tuables à la mise à l'herbe. Et du coup, voilà, on voit que les croissances sont plutôt faibles. Donc, en parallèle de ça, en fait, là, c'était un petit peu la première année test. Là, on a fait des pesées sur les animaux. On a fait aussi des prélèvements d'herbe pour se rendre compte un peu du potentiel de l'herbe qu'on avait de disponible. Et on s'est rendu compte, en fait, sur n'importe quel secteur du département, les valeurs d'herbe sur la partie printemps. Donc là, on avait fait des analyses du mois d'avril au mois de juin. Étaient, on va dire, quasi identiques, avec des fortes valeurs au niveau des UF où on dépassait plus d'une fois sur deux les 1 UF, et sur les valeurs protéiques où on était entre 120 voire 160 grammes de PDI de disponibles dans l'herbe. Là où vous voyez, en fait, sur la période de mai, le graphique qui est en haut à gauche, vous voyez la période de mai qui est en violet. Pour certains éleveurs, on a des valeurs qui ont chuté. En fait, c'est parce que le jour où on a fait les prélèvements d'herbe, il y avait une forte gelée qui avait été là. Et du coup, on voit qu'il y a eu un impact direct, en fait, sur la valeur de l'herbe à ce moment-là. Voilà ce qu'il en était pour 2019. Par rapport aux résultats économiques, on va y revenir un petit peu après, où je vais vous présenter en fait comment on calcule comment on a calculé la marge sur coût alimentaire, pour voir un petit peu, ben, quand on a des vaches de réforme, est-ce que ça vaut le coup ou pas de les repousser, enfin, de les engraisser à l'herbe. Mais là, je vais quand même continuer à vous présenter des résultats. Donc pour 2020, on a eu 2020, on a continué les suivis. Donc là, même principe que 2019, être dépesé de génisse, on va dire, de la sortie en bâtiment jusqu'à... Je ne sais pas lire, ça ne suit pas. Claire, est-ce que tu peux me dire si le diapo est en phase par rapport à ce que je dis? Là, on est au GAEC du Brion. Oui, ok, c'est bon. Donc c'est bon. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions, ou parce que je passe peut-être bien assez vite sur les résultats. Mais après, l'idée là, c'est, voilà, de vous présenter tous les résultats sur les 4 années, et après vraiment d'échanger sur du pratico-pratique. Donc là, pareil, sur un élevage, on a continué à faire des suivis sur des génisses et des vaches. Donc on voit en fait des bêtes qui ont été herbées très tôt, sorties courant février. Qui ont pu, en fait, dès les premières semaines, profiter de l'herbe et afficher des croissances, hein, sur la période allant de autour d'un kilo 150 entre pour les génisses et un kilo 140 pour les vaches. Voilà ce qu'il en était. Au niveau des valeurs de l'herbe, en fait, vous pouvez voir que les valeurs, elles sont similaires sur les années, par rapport aux années précédentes. On est au-dessus des 1 UF au niveau de l'herbe. Et on affiche en fait un taux protéique qui est très très élevé, ça va de 180 à 120,
Et là, en fait, on se rend compte que la valeur de l'herbe couvre largement les besoins des animaux à la mise à l'herbe. Juste un aparté pour cet éleveur-là, il a mis à disposition du fourrage grossier, type paille, pour aider un petit peu à tamponner pendant la période et à faire la transition en fait, entre la sortie en bâtiment et la mise à l'herbe. Pour le deuxième élevage, là, ce qui est intéressant, c'est que... C'est bon. Pour le deuxième élevage, là, ce qui est intéressant, c'est pareil, il a fait une mise à l'herbe plutôt précoce, courant février. Et là, on voit bien la transition. On a pu avoir une pesée intermédiaire, en fait, avant vraiment le début de l'engraissement, où on voit bien la transition, en fait, entre la mise à l'herbe et le début de l'engraissement, voilà, le mois février-mars. Où les bêtes, sur la partie des vaches, elles ont fait très peu de croissance. Les génisses ont plutôt démarré assez rapidement. Mais voilà, on voit quand même qu'il y a une transition qui se fait les premières semaines de mise à l'herbe. On a une première question, oui. À savoir le pâturage réalisé sur combien de paddocks? Alors, pour la question du pâturage sur combien de paddocks, on va y venir après, parce qu'en fait, chaque éleveur avait sa manière de découper ses parcelles. Mais ça, on va y revenir juste après les résultats. Au niveau de cet éleveur-là, donc pareil, on est sur toujours le même principe. On était plutôt sur des jeunes vaches qui ont fait 1,3 kg de croissance sur la période. Donc là, pour le coup, la mise à l'herbe avait été aussi précoce. Elle était sur le février, mais on avait attrapé des pesées qu'à partir du mois de mars. Donc en fait, on ne capte pas la transition alimentaire. Donc on est directement sur des croissances qui sont assez élevées. Contrairement aux génisses, les génisses, en fait, quand elles sont sorties de mémoire, elles étaient déjà bien avancées en état et du coup, voilà, elles n'ont fait que 900 grammes de croissance. On voit vraiment en fait, l'impact qui peut être soit positif, soit négatif de la note d'état corporel au démarrage sur la partie valorisation de l'herbe disponible. Il y a des questions? Alors, je voulais vous détailler un petit peu la partie économique sur l'engraissement de ces femelles-là. Donc, l'idée, c'était de regarder par rapport au prix du maigre qu'il y avait au départ, en fait, à la mise à l'herbe. On se pose la question, est-ce que je vais engraisser ou est-ce que je fais partir mes vaches directement? Donc là, l'idée, c'était un petit peu de voir la marge qu'on gagnait entre le moment où on se pose la question de mettre ou pas à l'herbe, enfin, d'engraisser ou pas les femelles, et le coût qu'elles vont avoir, enfin le coût le prix qu'elles vont être vendues au moment où elles sont tuables. Donc cette différence là entre le prix du maigre et le prix vendu, donc en fait le coût là, que les prix qui s'affichent, c'est en fonction du poids qu'elles ont fait au moment où elles ont été lâchées. Donc là, pour les vaches de ce lot là, elles faisaient en moyenne 680 kg, et après le poids carcasse qu'elles ont fait au moment où elles ont été abattues, et puis le prix donc ça, ce n'est pas le prix que l'éleveur a été payé, mais c'est le prix des cours qui sont pratiqués à la période à laquelle il les a sortis. Donc là, c'est la différence qu'il y avait entre le prix du gras et le prix du maigre. On a déduit un coût alimentaire. Donc dans ce coût alimentaire, pour répondre aux éventuelles questions qui peuvent subvenir, on a affecté un coût de pâturage journalier. On a affecté, alors même si ce n'était pas le cas pour tous les élevages, mais un coût de l'eau, parce que voilà, pour s'il y a des éleveurs qui n'ont pas de source ou voilà, qui ont besoin de l'induction ou de ramener de l'eau sur la parcelle. Donc là-dedans, c'est les deux coûts qu'il y avait eu. Et après, dans les autres charges, il y avait un coût, on a affecté des frais vétérinaires au cas où qu'il faille... traiter des parasites et les bêtes, ou voilà, s'il y avait une autre intervention à faire. Et on a aussi affecté 5 euros d'autres charges pour se laisser une marge de manœuvre. Et ce qui nous a donné un coût, en fait, une marge sur le coût alimentaire qui reste assez intéressante si on a de la parcelle de disponible, si on a du pâturage de disponible pour herber ce type d'animaux. Donc voilà sur le principe qu'on s'est basé pour faire une marge sur coût alimentaire. Donc après, ça reste propre à chaque élevage, à chaque système, et après comment c'est valoriser derrière.
on aura le témoignage d'un enfin, de Thierry Préau là, qui est avec nous, qui pourra nous dire par rapport au type de vente qu'il a, qui est sur la vente directe. Voilà, on n'est pas sur les mêmes marges. J'ai des questions sur, je ne sais pas si tu te souviens, le prix de l'herbe pâturée que tu as estimé. Le coût de pâturage, j'étais partie sur, bon, par rapport au coût qu'il y avait à l'époque, on était à 30 euros la tonne de matière sèche pour de l'herbe pâturée. Donc ça, c'était des coûts qu'on avait estimés par rapport à la période, donc l'année 2020 là, pour cette année-là. Oui. Après, ben, on peut faire passer. Tu peux encore faire tourner. Voilà. Donc en 2021. En 2021, du coup, il y a eu un nouvel élevage qui a été rajouté. C'est bon. Excusez-moi. Du coup, en 2021, il y a eu un nouvel élevage qui a été rajouté dans le groupe de suivi des éleveurs. Un agriculteur qui est dans l'Autunois, Morvan, donc à 10 km d'Autun. Dans une zone plutôt froide et tardive par rapport au sud de la Saône-et-Loire. Niveau altitude, il reste entre 300 et 400 mètres. Ce n'est pas très élevé en altitude, mais malgré tout, ce n'est pas le même climat. Donc, c'est le RL Gevray. Donc, lui, il a mis en place son pâturage tournant sur une première parcelle, enfin, sur deux parcelles qui sont attenantes à l'exploitation. Il y avait un lot de... Enfin, il y avait des génisses et des vaches. Donc, au niveau des génisses, elles ont pris un gain de poids de 176 kg. On a explosé les croissances sur les deux types d'animaux, que ce soit vache ou génisse, chez lui. Pour la bonne raison, c'est qu'il a très peu soigné, du coup, l'hiver. Les animaux, donc, ils sont sortis dans une note d'état corporel qui était plutôt faible. Et du coup, ouais, le premier mois, elles se sont éclatées dans leur conformation. De plus, il y a eu une bonne transition alimentaire qui a permis aussi une bonne croissance. Donc, on était de moyenne à 2,6 kg chez les vaches de croissance le premier mois, et puis à 2,2 kg chez les génisses, donc ce qui est quand même conséquent. Et en moyenne, sur les génisses en GMQ, il a fait des croissances de 1,5 kg. Et puis, enfin, sur la période. Et puis, chez les vaches, on était à 1,7 kg de croissance. Donc, en fait, la parcelle, il avait découpé cette parcelle-là parce que le point d'eau étant au milieu. Du coup, il avait laissé, là où vous voyez entrée plus auge, en fait, il avait laissé un lieu pour avec un râtelier et puis une auge pour... éventuellement complémenter les animaux en fin de période et puis que la transition se fasse avec leur atelier. Et donc, du coup, les animaux ont tourné sur quatre paddocks. Et donc, après, il a changé de parcelle. Il a redécoupé une autre parcelle qui était plus de l'autre côté de la route qu'on ne voit pas, du coup, la parcelle à l'écran, où là, il a fait, du coup, six paddocks, six plus petits paddocks. Et du coup, donc là, il y avait une problématique. Du coup, je ne sais pas si pour ceux qui ont regardé les vidéos sur YouTube, il y avait une problématique d'herbe à un endroit qui n'était pas consommé par les animaux. Et avec le pâturage tournant, il s'est aperçu que les animaux avaient réussi, à force de tourner, la flore avait évolué et les animaux avaient réussi à pâturer l'herbe qu'ils ne pâturaient pas quand les parcelles n'étaient pas découpées en paddock. Voilà, au niveau des valeurs d'herbe, du coup, donc des valeurs d'herbe, forcément avec un faible encombrement au début, mais qui évolue comme chez tout le monde au fil des sommes de température. Et donc des valeurs protéiques qui ont légèrement diminué, mais qui sont restées quand même assez intéressantes. Et puis des valeurs énergétiques qui ont baissé au fil de la saison, hein, mais comme chez tout le monde, souvent ça s'inverse. Mais voilà, c'était une herbe qui était quand même aussi riche qu'un concentré, donc c'était super intéressant. Bon, pour faire suite là, à ce que nous a présenté Julie là, pour le RL Gevray, on a eu le suivi du GEC du Brion. On a continué à faire le suivi des bêtes à l'engraissement, donc toujours sur le même principe, même parcelle.
Tout à l'heure, on va vous montrer en fait l'évolution du pâturage tournant qu'il a fait entre la première année où il a commencé à engraisser et puis jusqu'à maintenant. Donc, on est toujours sur des croissances qui sont plutôt très bonnes. Sur les génisses, on est à 130 kg de prix avec une GMQ 1,1 kg de moyenne sur la période. Et sur les vaches, on est à 160 kg de prix avec un GMQ d'1,4 kg sur la période. Toujours dans le même principe, avec un lâcher tôt, toujours courant en février, pour pouvoir permettre la bonne transition sur les animaux. Et avec des valeurs au niveau de l'herbe qui sont toujours importantes et qui couvrent largement les besoins des animaux. Donc pour le GAEC Vincent qui était sur la commune de Rancy, dans la Bresse, même principe, là cet élevage-là, c'était les plus... Si vous vous rappelez, sur les premières visios, c'était celui qui avait fait le moins de croissance. Là, il avait mis en place, il avait modifié son pâturage tournant. Et donc là, on a vu un effet, on va dire, positif sur les GMQ, sachant que dans le même principe que la première année, les bêtes sortaient plutôt en état. Et du coup, en fait, la prise de poids sur la période reste quand même, même si elle s'est améliorée, reste quand même faible par rapport aux autres éleveurs. J'ai une question. Oui. Les bovins sont-ils à fourrager au pré avec un lâcher aussi précoce? Donc oui, il y a pour deux élevages, donc GAEC Dubrion et ERL Gevray, il y avait un affouragement à disposition pendant toute la période toute la période de l'engraissement. Donc, de la paille pour le GAEC Dubrion et du foin pour le ERL Gevray. C'est bon pour continuer. Pour l'élevage de Thierry Préau, là, qui est présent, donc, Thierry avait une particularité, c'était qu'il fait de l'engraissement, enfin une partie de l'engraissement avec des vaches sous le ventre. Thierry, il a chuté. Comment? Des vaches chutées. Oui, des vaches chutées. Est-ce que Thierry, je peux te laisser commenter en fait ta partie sur ce suivi-là en 2021 avec les vaches chutées? Ça dépend ce que tu veux savoir. Est-ce que tu peux nous présenter en fait comment toi quand tu lâches tes vaches chutées, comment tu as fait en fait pour faire ton engraissement à l'herbe avec tes vaches chutées? Eh bien, cette année-là, donc, on avait lâché les vaches fin mars, début avril, comme à peu près tous les ans. Après avoir échographié, donc du coup, elles étaient parties au pré avec les veaux. Avec une première pesée au moment du lâcher sur 4 à 5 paddocks, je crois. 5 paddocks, je crois. Donc, aucune complémentation quand elles sont parties au pré. Donc, on n'a aucun enfouragement non plus. Et donc, du coup, ben, on a les poids, les GMQ des veaux en même temps sur le côté. De mémoire, les veaux n'étaient pas complémentés non plus. N'étaient pas complémentés. Par contre, sur les vaches futées, on a réussi à les emmener jusqu'à une certaine période, mais on n'a pas pu les emmener jusqu'au bout sans complémentation. Quoi. La différence avec des vaches sans veaux et des vaches ou des génisses qu'on a réussi à emmener jusqu'au bout sans rien du tout. Quoi. Là, on a commencé à complémenter, je pense. Fin juin, c'est le mémoire. Après, les vaches donc, étaient échographiées vides, donc on le savait, c'était sûr. Elles étaient déparasitées, lâchées. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Rien de spécial. Après, je sais que la première année, on avait fait le très bon. On avait deux lots. On avait un lot de vaches plus âgées et un lot de vaches plus jeunes. Sur le lot de vaches plus jeunes, on n'avait rien fait au tout départ. Et par contre, elles avaient éclaté, c'était le deuxième mois, je crois, la deuxième pesée. Il y en a qui étaient montées à plus de 3 kg avec des veaux sous le ventre. Il y en avait une qui était montée à plus de 3 kg avec un veau sous le ventre. Après, depuis, on l'a refait l'année suivante.
Et là, ça va faire l'année dernière, on n'a pas fait, puisque ben, les vaches étaient toutes reparties. Et il n'y avait que les génisses à l'embrassement qui étaient passées dans la pâturerie. Qu'on a à peu près fait le tour. Ok, merci. On va revenir sur le témoignage de Thierry un petit peu plus tard. Je vais laisser la place à mon collègue et présenter en fait les résultats qui ont été menés sur l'engraissement en Côte d'Or. Fais bouger Benoît. Donc on souhaitait un petit peu aussi donc présenter les résultats sur le département de la Côte d'Or. Et donc on va voir le témoignage donc de Benoît Boudier, donc qui se situe vraiment dans des zones vraiment plus tardives. Donc on est au plein cœur du parc du Morvan, hein. On est à La Roche-en-Brenil, on a plus de 500 mètres d'altitude, donc avec un potentiel qui est plus limité que les dernières présentations. Avec un sol voilà, granitique et superficiel. Hein. On est sur des sols qui oscillent entre 15 et 30 cm de profondeur, et avec alternance voilà, de zones un peu humides de jonc, et puis des zones très séchantes qui alternent. Donc l'exploitation, elle est conduite en bio depuis déjà plusieurs années. Donc Benoît aura l'occasion de présenter tout ça depuis 2015, voilà, je n'avais plus la référence. Sa volonté en bio, c'était quand même d'aller au bout de la finition, et puis de pouvoir finir ses animaux, et avec un contexte bio, donc la valorisation de l'herbe reste l'un des éléments essentiels pour une bonne santé économique de l'exploitation. Donc on est quand même sur une zone, comme je vous le disais, donc qui est très tardive, hein, par rapport aux exploitations précédentes. Donc en fait, quand on fait les suivis de somme de température, on est sur une zone qui atteint les 350 degrés, donc qui est, on va dire, la base pour la mise à l'herbe, qui n'arrive jamais avant 31 mars. Et donc, dans les suivis de pousse de l'herbe qu'on réalise depuis de nombreuses années, donc sur la zone, on arrive à 6 cm d'herbe, donc comme vous le voyez, les différentes années, guère avant le mi-avril, quoi. Donc, on est vraiment sur une zone qui est très tardive de par le contexte altitude et température, quoi. Donc la volonté de Benoît, donc c'était de valoriser au mieux, donc au niveau de l'engraissement à l'herbe. Donc il a fait le choix sur certaines parcelles de les redécouper. Donc on va retrouver là sur la carte l'ensemble des parcelles qui sont exploitées pour le pâturage, pour l'engraissement. Donc il y a 7 paddocks qui sont exploités, qui font des tailles, voilà, qui oscillent de un petit peu plus d'un hectare à 3 hectares pour les plus grosses. Et donc, sur ces 7 paddocks, en fait, il y a deux lots d'animaux qui vont valoriser. Donc, il y a un lot composé de génisses et de vaches. En gros, il y a 17 animaux. Donc, les vaches, elles, vont pâturer et être abattues courant printemps. Tandis que les génisses, elles, vont être au pâturage toute l'année, et puis plutôt abattues sur le début d'automne. Et donc un deuxième lot de 12 animaux, donc 12 bœufs. Donc l'éleveur, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, a vraiment la volonté d'aller au bout des choses et valoriser ces animaux en bio. Donc la voie mâle, il n'y a que les bœufs qui peuvent en bio le valoriser. Donc en gros, il y a moitié des mâles qui sont castrés et produits qui vont être engraissés sur l'exploitation. Donc il y a un deuxième lot, voilà, de 12 bœufs. Donc ça nous fait, en gros, il y a 13 hectares, un petit peu plus de 13 hectares de prairies qui sont en pâturage tournant, avec donc un chargement au printemps qui est d'à peine 60 arts par UGB. Donc on voit bien qu'on n'est pas sur les mêmes niveaux d'intensification, parce que forcément le potentiel n'est pas le même. Mais c'était vraiment la volonté de montrer que
peu importe là où on se situe, c'est plutôt le nombre d'animaux qu'on va pouvoir engraisser à l'hectare qui va vraiment faire la différence. Mais on est capable de valoriser de l'herbe de qualité, même dans des secteurs plus difficiles. Donc, sur ce graphique, je ne sais pas si on le voit. C'est bon. Donc, sur ce graphique, en fait, c'est un petit peu l'évolution de la pousse de l'herbe sur les différentes périodes, donc par décade, sur tout le printemps. Donc, ce qu'on voit, c'est que chaque parcelle. Donc elles sont valorisées, donc on voit quand les courbes s'arrêtent, c'est que la parcelle est exploitée, donc elles sont à chaque fois exploitées donc sur des niveaux d'herbe qui oscillent entre 6 et 10 cm. Donc c'est vrai que le fait que la zone soit plutôt tardive et une pousse lente permet aussi d'exploiter de l'herbe en général toujours à un stade optimum pour engraisser des animaux, quoi. On est vraiment... Avec les parcelles, elles sont généralement pas débordées par l'herbe. Et donc j'ai voulu donc vous représenter un petit peu les résultats techniques donc de la campagne dernière. Donc je vous ai remis l'évolution des courbes de croissance depuis la naissance des génisses jusqu'à l'abattage. Donc on voit donc il y a des périodes les croissances sur les périodes hivernales et estivales. Donc ce qu'on retrouve, donc c'est plutôt des animaux qui sont les femelles qui ne sont pas complémentées étant jeunes. Donc on est sur des croissances, on va dire, plus faibles que les moyennes de race, mais qui sont un petit peu dues aussi au potentiel des prairies de pâture qui sont plus faibles. Et notamment où les croissances, on va dire, sont un petit peu plus faibles sur le deuxième été. Où les animaux, voilà, ont un petit peu plus de prennent un petit peu moins de poids sur cette période. Par contre, voilà, on voit que sur la dernière phase, donc c'est des animaux qui sortent au pâturage. Donc on le voit là au 10 avril, hein, donc comme je vous le disais, la zone est quand même beaucoup plus tardive. Des animaux qui faisaient 550 kilos à la mise à l'herbe. Donc là, j'ai moins de détails sur les différentes phases mois par mois, mais on voit qu'on arrive sur des croissances qui, sur une période qui est beaucoup plus longue, parce qu'on va en moyenne à l'abattage au 22 octobre, donc sur des croissances qui dépassent les 900 grammes au pâturage, quoi. Donc on arrive sur des génisses qui atteignent des poids carcasses tout à fait acceptables, avec 404 kilos à 33 mois, donc sachant que ce sont toutes les femelles qui ne sont pas conservées pour la reproduction sont engraissées, donc il n'y a pas de vente de laiton en broutarde. Et donc, c'est des femelles qui sont un petit peu plus légères quand on les compare au poids H-type de référence, qu'on va voir juste après. Si les poids sont apparus. Donc, ouais, si on compare un petit peu les poids de ces animaux qui sont engraissés, si on regarde les poids étant jeunes, donc que ce soit les poids 7 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, on est plutôt en dessous les moyennes, qui sont en gros une cinquantaine de kilos en dessous les références moyennes bovin croissance. Alors qu'au final, on arrive sur des poids carcasses qui sont 10 kilos au-dessus des références avec 3 mois d'engraissement supplémentaire. Mais malgré tout, on arrive sur des résultats qui sont équivalents à des conduites aux moyennes aux références bovin croissance. Une complémentation quand elles sont ces petits lots. Après, elles ont une petite complémentation, donc déjà en fourrage sur la phase estivale si besoin. Si vraiment en période estivale s'il manque, et elles ont Benoît nous en reparlera, mais entre 1,5 kg et 2 kg de complémentation pour la finition. En finition. Finition là, attends, ouais. Moi là. Ouais. Une question. Est-ce que la durée plus longue d'engraissement peut être attribuée à la conduite en bio? Quels seraient les éléments explicatifs?
Bah, la... Je crois que par rapport à ça, on discutait avec les éleveurs, tous disent à peu près qu'il y a un allongement de la durée d'engraissement avec l'engraissement à l'herbe. Tu confirmes, Thierry? Oui. Je pense que c'est je pense que c'est pas spécifique au bio. Je pense que c'est avec la finition à l'herbe. En général, les éleveurs ont observé pour vraiment atteindre le stade optimum, il faut 20-30 jours de plus des fois. 20-30 jours, oui, largement. Et puis, la seule différence qu'il y aura, c'est qu'avec l'herbe, tu n'auras jamais des animaux qui seront en état 4. Ouais. Et puis, il y aura toujours des animaux qui vont avoir un état d'engraissement, oui, mais pas, tu n'auras jamais de pourri gras. Ouais, tu n'as pas de gras externe. La valeur protéique de l'herbe fait qu'il ne dépose pas vraiment de graisse, ils vont déposer de la viande, de l'autre tissu musculaire. Avant de déposer de l'état, vraiment. Mmh. Moi, c'était. Alors, il y a une question, mais moi, la question, c'était plus petit veau, complémentation hivernale. Donc, il n'y en a pas, mais par contre, l'étonne, l'hiver, est-ce qu'ils ont une complémentation hiver? Parce qu'on a les poids de référence qui sont inférieurs, les poids de référence, et on est en dessous des poids de référence. Mais est-ce qu'il y a une complémentation hiver pour, ou pas? Sur le premier hiver? Bah, le premier hiver, et même le deuxième avant de lâcher, avant de commencer l'engraissement. Benoît, si tu... Oui, donc vous avez vu, j'ai un vrai problème de croissance sur les génisses au deuxième été, quoi, après le premier lâcher. Donc j'ai cherché plein de solutions, j'ai pas réussi, j'arrive pas à mettre à disposition de ces génisses-là des parcelles de bonne qualité suffisantes pour avoir une croissance adéquate. Donc du coup, j'ai pris le parti d'avoir une croissance l'hiver. Alors ça me coûte un peu plus cher, évidemment. Donc, elles sont un peu complémentées aussi l'hiver. Elles ont autour de 1,5 kg, 2 kg, avec de l'enrubanage qu'on espère de bonne qualité. Voilà. Ce n'est pas toujours le cas, mais voilà. Donc, c'est pour ça que je fais de la croissance l'hiver. J'ai pas encore trouvé le moyen de faire de la croissance d'été qui me coûte moins cher. Il n'y a que l'engraissement qui est en pâturage tournant, là. En engraissement les autres. En fait, ce qui se passe, c'est que le pâturage tournant, c'était presque une nécessité chez moi, puisqu'on n'est pas remembré. Bon, depuis un moment, quand même, à force de regroupement, c'est mieux. Mais du coup, j'ai gardé la technique. Je suis sur un pâturage tournant simplifié. Hein, ça n'a rien d'intensif. Les lots tournent sur 3, 4 parcelles, en gros. Tous les lots de l'exploitation, on va dire. Sachant que pour l'engraissement, j'ai encore pas passé le pas non plus. Il faudrait sûrement essayer de réduire encore la taille des paddocks, faire du pâturage plus intensif, enfin du pâturage tournant plus rapide. Mais bon, pour l'instant, j'ai encore pas passé le pas. Ouais. Donc au final, au niveau des conformations et des classements, donc les conformations sont tout à fait correctes et représentatives pour la race. Hein. On a voilà presque les deux tiers des animaux qui sont classés R+, quelques U moins et puis R égal quoi. Donc là, tous les animaux tombent dans des conformations correctes et les trois quarts arrivent avec une note d'engraissement de 3 quoi. Donc on arrive malgré le contexte et puis une conduite en bio à finir des animaux correctement quoi. Et donc, au final, je vous ai repris la même courbe donc de croissance par rapport au bœuf, donc qui va apparaître. Donc sur les bœufs, donc on observe un petit peu la même tendance. On a des croissances qui sont plutôt meilleures sur les phases jeunes, mais on va dire qu'on a moins de tri. Parce que les femelles qui sont engraissées sont les moins bonnes, alors que les bœufs, ça va être plutôt au contraire les mâles, l'ensemble des mâles, quoi. Donc il y a moins de tri à ce niveau-là. Donc on ouais, est sur des croissances. C'est même les meilleurs. Oui, c'est.
Les moins bons partent en brouteur, c'est ça si... Oui, c'est ça, ouais. Donc, on est plutôt voilà, sur les bœufs qui ont fait les meilleures croissances. Des croissances hivernales qui sont aussi plutôt correctes. Hein. On reste sur des 800, 800, 900 grammes sur les phases hivernales. Et puis, bah, c'est toujours cette période, le premier été, où les croissances pêchent un petit peu par rapport à cette disponibilité de surface à meilleur potentiel, quoi, qui est un petit peu le facteur limitant. Et par contre, on retrouve bah, toujours des croissances tout à fait correctes sur la phase de finition, le dernier été, avec des croissances qui approchent les 900 grammes sur une phase assez longue aussi, hein, parce qu'on est sur une croissance du 10 avril jusqu'à début novembre, quoi. Donc avec, pareil, une complémentation qui, en fonction des années, peut varier. Bah on a des années qui se suivent, mais qui ne se ressemblent pas au niveau de la pousse de l'herbe. Donc notamment avec la dernière où il y a eu une très belle reprise et où tu as pu bien finir les animaux sur l'automne, quoi, par rapport à d'autres années où c'était plus compliqué. Et donc on arrive sur des poids carcasses ben, tout à fait correct, même plutôt bon, avec 480 kg de carcasse en moyenne sur les bœufs à peine 33 mois. Donc si on compare ces résultats à on va peut-être pas voir très très bien, mais je vais vous les dire à l'oral. Ne serait-ce que par rapport à des bœufs en conventionnel, si on regarde sur les différentes périodes, parce que les périodes d'abattage font varier pas mal les poids qu'on observe sur le terrain. Donc en conventionnel, on est sur des poids de bœufs qui oscillent entre 493 et 514 kg en moyenne. Sachant que la production de bœufs conventionnelle est plutôt réservée sur des bœufs de plutôt conformés, donc plutôt des animaux lourds. Donc on atteint presque les mêmes résultats. Et puis si on le compare à des bœufs bio, là on est largement supérieur. Donc si on regarde un petit peu les données, on a des bœufs qui sont tués autour de 400 jusqu'à 480 kilos. Sur les bœufs sortis janvier à avril. Donc, c'est plutôt des bœufs qui, sur le terrain, ont passé 3 ans, qui sont finis sur l'hiver. Et quand on regarde plutôt les bœufs finis sur les périodes, bah, comme Benoît, en fin d'année, donc sur les bœufs tués de juillet à décembre, on a plutôt des bœufs qui font autour de 430-440 kilos en fonction des années sur les bœufs bio. Donc on a vraiment des performances qui sont comparables à des bœufs conventionnels et largement supérieures à ce qu'on peut observer sur le terrain. Alors, pour être complet quand même, les mâles reçoivent plus de complémentation que les femelles. Ils reçoivent en finition autour de 4 kilos quand ils sont à l'herbe. Et pareil pour l'hiver, en fait. Là où je suis à plutôt 2 kilos sur les femelles, les mâles sont plutôt autour de 4 kilos. Une complémentation qui est essentiellement des céréales, hein, qu'il n'y a pas de tourteau acheté, il n'y a rien, évidemment. Enfin, évidemment. Non, pas évidemment, mais ce sont des céréales. Merci pour ce témoignage et merci à la Chambre d'agriculture de Côte d'Or pour la présentation des résultats qui ont été faits là sur toi, Benoît. Donc, si on fait un petit bilan par rapport à ce qu'il en est ressorti de ces suivis, on en conclut qu'en fait, pour vraiment être performant sur la partie engraissement, il faut une mise à l'herbe plutôt précoce. Donc, ça peut être de lâcher les bêtes sur des grandes surfaces et après les recentrer sur le pâturage tournant pour l'engraissement. Ça peut être via de la transition aussi alimentaire avec la disposition du fourrage grossier. On a vu, et puis on va revoir là par rapport au découpage des parcelles, que ben, pour aussi performer en engraissement, ben, le pâturage tournant, qu'il soit sur de la découpe de parcelles ou avec plusieurs parcelles, est obligatoire si on veut arriver à avoir de l'herbe disponible en qualité.
Donc, comme je disais, voilà, quand c'est possible d'avoir un fourrage grossier pour bien faire la transition. Au niveau des animaux, animaux en état sanitaire, dans le sens où voilà, ce ne sont pas des bêtes qui ont souffert sur la période hivernale, s'il y a eu besoin à déparasiter, et avec une note d'état corporel qui soit plutôt autour de 2, pour bien valoriser en fait, les surfaces en herbe. Et après, alors un objectif se fixe, un objectif de croissance, c'est plus dans le sens si on se fixe une date de sortie à l'abattage par rapport à la saison estivale, d'être autour d'un kilo de croissance. Donc voilà dans la partie bilan par rapport au suivi. Je voulais juste rajouter une chose suite à ce qu'a dit Mathieu par rapport à l'exploitation en Côte de Côte d'Or de M. Boudier, qui disait justement qu'on avait une pousse lente parce que c'est une zone très tardive. Et dans le Charolais ou dans l'Autunois, on a des fois des sols qui répondent plus vite. Mais ça n'empêche que la règle, pour que ça marche bien, c'est de bien gérer cette herbe. C'est-à-dire que d'adapter sa surface disponible en fonction de son potentiel et de jamais se faire dépasser. Et c'est ça le plus important. C'est pas le lieu, enfin, en fonction du lieu, du rendement, ben on adapte la surface. Par contre, l'objectif, c'est jamais se faire dépasser. C'est-à-dire que quand on commence à passer les 12 cm d'herbe, eh ben, on perd très vite de la valeur au niveau matière azotée et encombrement. Et c'est là qu'on perd très vite du GMQ. Et les éleveurs qui ont engraissé à l'herbe, on va avoir leur découpage. Mais en fin de compte, c'est ça qu'ils font attention, qu'ils ont appris, c'est que à gérer cette herbe comme on gère un stock sous un hangar, quoi. Et c'est ça, pour moi, c'est ça le plus important. Rebondir moi un petit peu par rapport à ça, puis par rapport à la première chose avec la mise à l'herbe précoce, et c'est surtout la dernière mise à l'herbe précoce, c'est surtout la gestion des transitions. C'est-à-dire ce que Véronique vient de vous dire là, par rapport à la gestion de l'herbe, il faut que si vous voulez que les croissances fonctionnent derrière correctement, il faut que l'apparence de l'animal soit déjà habituée et bien gérer cette transition pour que, on sait qu'il faut 3 semaines, 1 mois à peu près pour que ça soit pleinement efficace. Et que voilà, quand l'herbe commence à pousser et qu'on a la quantité à disposition, que ça soit efficace pour faire de la croissance. J'ai deux questions, on va répondre tout de suite. Donc j'ai une première question pour Thierry. Je suis désolée, j'ai loupé le coche tout à l'heure. Tes vaches chuitées par rapport à des vaches engraissées sans veau, est-ce qu'il y a un écart de poids carcasse à l'abattage? Est-ce que tu peux... Automatique. Ouais, de combien à peu près du coup? Je dirais qu'il y avait quand même sûrement 30-40 kilos quand même. Ouais. C'est automatique. Hein. Le gros pompant, la vache, arrive sur un poids qui est inférieur quand même. Quoi. Et le veau, tu le sèvres à quel moment du coup? Ouais, ils étaient sèvres en même temps que les autres. Ouais. 9 mois, quoi. Et j'ai une. C'est vrai en juillet, mais alors, donc comment les naissances sont. Octobre-novembre, donc voilà, on tombe sur du mois de juillet pour le sevrage et c'était les premiers départs des vaches étaient à peu près fixés en même temps, à peu près, je crois. À une mémoire. Et j'ai une autre question donc, qui va s'adresser aux éleveurs qui sont là pour témoigner, donc Thierry, Monsieur Boudier, et je ne sais pas si Baptiste est là, j'ai vu qu'il y avait un Baptiste. Baptiste, donc, normalement, oui. Donc je pense que Baptiste pourra répondre aussi, la question s'adresse à quoi pour son bel âge. Et avez-vous des retours sur la qualité de viande? Donc, je ne sais pas qui veut répondre en premier. Thierry? Tous les ans, moi, personnellement, je fais une dizaine de bêtes en vente directe, donc principalement les génisses en premier. Et sur la fin de l'année, je retombe sur les vaches, quoi. Puisque moi, les génisses sont lâchées, et comme mes bêlages sont plus précoces, sont déjà lâchées avec un poids déjà avancé et un état d'engraissement déjà un peu aussi avancé. Donc, on commence par les génisses fin mai, début juin. Ouais, juin, début juin, j'ai les premières génisses qui tombent en vente directe, quoi. Moi, personnellement, je trouve qu'avec la vente directe, j'ai un meilleur rendement déjà sur le poids vif, poids de carcasse. On a entre 59 et on est monté jusqu'à 63, 64, je crois. Et après, c'est surtout sur le rendement, le poids de viande vendu sur le poids de carcasse. Quoi. Là, et la qualité de la viande, on a une viande moins grasse, qui a moins le gras extérieur, mais par contre qui est beaucoup plus tendre et, pour mon personnel, je trouve meilleur.
Et pour moi, pour la vente directe, une meilleure retombée, quoi, parce que les gens sont plus satisfaits et financièrement, ils ont plus de kilos, quoi. Ce qui n'est pas dans la caisse à déchets est vendu, quoi. Est-ce que Benoît répond? Alors moi je vends en circuit long donc à une coopérative et donc j'ai pas de retour malheureusement, ça c'est un défaut de notre filière française sur la qualité de la viande. Mais bon voilà, on peut imaginer que les conclusions sont un peu la même par rapport à une alimentation maïs plus classique en engraissement. J'imagine que la viande est plus maigre et plus goûteuse aussi, on l'espère. Mais bon, j'avais pas de retour. Par contre, il n'y a pas eu forcément non plus des retours négatifs sur des bêtes qui auraient été pas finies, pas assez grasses. Enfin, il n'y a pas eu non plus de retours négatifs, quoi. Non, mais en plus, bon, donc sur l'état d'engraissement, je suis la plupart du temps à 3, donc ce que recherche la filière. En moyenne, je suis plutôt mieux placé que la moyenne des éleveurs bio. Souvent, les viages bio sont plutôt moins engraissés, donc bon, en moyenne, hein, je dis bien. Donc non, j'ai pas de aucun souci de ce côté-là non plus. D'accord. Et est-ce que Baptiste, tu es connecté? Est-ce que tu peux répondre à cette question? On ne t'entend pas si tu es là. Si, il a répondu. Il a répondu sur la. Ah oui, mon chouillard n'a pas trouvé de changement sur la qualité de la viande. Ok. Et j'ai une autre question du coup pour pour les trois exploitants. Donc, y a-t-il un apport minéral? Dans ce cas, comment est-il à donner sans ration? Thierry? L'apport minéral, je vois. L'herbe apporte déjà tout le minéral qu'il faut quand les bêtes sont dehors, quoi. Après, l'apport minéral, il est plutôt sur les rations, sur l'hiver, sur l'hivernage, où les bêtes, justement, ne vont pas arriver à trouver ce qu'elles veulent, quoi. Après, sur l'été, sur le printemps, dans l'herbe, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Je ne vois pas encore rapporter supplément. À part les pierres de sel, je ne vois pas encore ce qu'on peut rapporter plus, quoi. Après, moi, je n'ajoute rien. Chez moi non plus, il n'y a pas de rajout de minéraux. Et pourtant, moi, j'ai tendance à dire que chez nous, on serait assez carencé. Mais bon, voilà, je ne fais pas l'effort d'apporter autre chose que du sel. Mais bon, voilà. Pas plus d'inconvénients que ça. Voilà. Et Baptiste, donc si tu veux nous répondre, je ne sais pas si tu as accès au micro ou si tu veux nous répondre via la conversation. Juste, on revient sur la question d'avant. On a Antoine Buteau qui intervient en disant qu'il y avait eu, donc, sur la qualité de viande, un essai expérimental sur la ferme des Bordes avec engraissement vache au pâturage comparé à un engraissement bâtiment. Et donc, ils avaient noté aucune différence sur la qualité carcasse, couleur, persillée, mais il n'y avait pas une notation sur la qualité intrinsèque de la viande. Ils n'avaient pas de notation précise là-dessus. Donc, je n'ai pas de retour de Baptiste. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Que du sel, pareil pour Baptiste. Ah, j'ai une autre question, pardon. Définition au pâturage sur d'autres périodes de l'année, comme à l'automne, où la pousse de l'herbe peut être intéressante, sont-elles des choses envisageables à l'avenir? C'est déjà fait. Thierry. Sevrage juillet, un mois à peu près où les vaches sont à peu près tranquilles, et donc on arrive sur fin août où je commence les vaches dans les colzas fourragés qui sont ressemés derrière les céréales. Donc, en avançant au fil tous les jours, donc ça c'était il y a 2 ans. L'année dernière, on a grêlé, donc on n'a rien eu du tout. Donc, mais il y a 2 ans, donc c'était ça. Donc, le début, c'était l'engraissement à la journée, du moins à la journée ou 2 jours sur les colzas fourragés derrière les céréales. Et après, dans les prairies temporaires, où je les ai fait avancer au fil, pareil, de la même façon. Et finition, pour finir les refus des vaches à veau avant de les rentrer à l'étable, il restait des refus dans les prés. Les vaches vont pâturer pendant encore une quinzaine de jours derrière les vaches à veau avant de rentrer au 10-15 décembre, où on était dans l'eau jusqu'au cou et ça coulait de tous les côtés. Et là, je les ai rentrées. Elles ont eu une ration de 2 kg de farine. La métaille farine avec un tout petit peu de complémentaire jusqu'au
15 janvier et au 15 janvier abattage. Les premières et abattage des dernières, 10 février, je crois. Donc oui, c'est exactement possible sur la fin d'année où l'herbe en valeur, on a fait des analyses et la valeur d'herbe sur septembre, octobre, novembre, équivalente au printemps, voire des fois même l'hiver, c'est même supérieur. Et voilà, après faire attention sur les fins d'année, où oui, justement, peut-être un peu, des fois, l'azote passe peut-être plus tout droit encore qu'au printemps. Quoi. Il faudrait que les analyses qui avaient été faites à cette période-là, c'était Sarah et Antoine qui avaient dû faire, oui. Les anciens collègues. C'est vrai qu'on avait des valeurs à plus d'un UF, mais surtout des matières azotées à 25-30%. Peut-être un peu moins cette année, parce qu'on a eu quelque chose d'un petit peu plus sec en herbe, mais c'est vrai qu'on a très peu de matière sèche. Et je pense que là, il faut quand même amener du sec pour ralentir la transition, pour vraiment valoriser une qualité d'herbe qui est un petit peu exceptionnelle, quoi. Par contre, c'est le même principe que le fait de lâcher tôt. Et donc, l'engraissement donc, sur la fin d'année, donc il nous reste, une pousse à partir du 15 septembre. On a tout le mois d'octobre et pour aller jusqu'au 15 novembre, au 15 novembre, ça va commencer à peiner. Donc, du coup, il faut commencer plus vite. Donc, si on n'a pas, on a la période estivale ou s'il y a du si c'est sec, on n'a pas de pousse d'herbe, on est pris. Donc là, moi, l'avantage qu'il y a, c'est qu'avec les colzas fourragés semés derrière les céréales, ça me permet cette transition d'avoir quelque chose à leur donner avant et puis de les continuer avec de l'herbe sur la fin de l'année. Mais toujours même punition que le reste, c'est engraissement au fil ou en pâturage. C'est pas du dynamique, mais c'est presque du dynamique, quoi. Parce que en pâturage tournant, sur la fin d'année, ça vient. On y arrive. Mais le plus on tourne par jour, plus on va chercher de l'herbe courte, on a encore une meilleure qualité que de laisser pousser en hauteur. Et c'est vrai que maintenant, j'ai essayé le pâturage dynamique pour l'engraissement. Et sur la fin de l'année, de la même façon, je vais faire la même chose. Et en fil avant, peut-être pas forcément en fil arrière, mais au moins fil avant. On reviendra sur la partie. Il y a Baptiste qui a répondu. Oui, il y a Baptiste qui a répondu. Donc, il est convaincu aussi, mais il met deux points de vigilance, hein, donner de la matière sèche pour faire ruminer et des températures assez douces. Et j'ai encore une question pour les exploitants. Moi, je voulais intervenir sur le pâturage d'automne. Moi, du fait de mes croissances lentes, traditionnellement, mes animaux finissent leur engraissement à cette période-là. Et donc, en fait, chez moi, ça va surtout dépendre de la douceur du climat à ce moment-là. L'année dernière, c'était exceptionnel. On aurait pu engraisser jusqu'au mois de janvier. Mais en temps normal, quand il commence à geler au mois d'octobre, ça devient plus compliqué forcément, quoi. Mais ça va beaucoup dépendre de l'année, moi, je crois. Malheureusement, il y a fort à parier qu'on ait des automnes de plus en plus doux et de moins en moins humides, peut-être même. Donc peut-être, pour le coup, plus favorable à l'engraissement, finalement. Voilà. C'est là où va être le problème, c'est que quand on va arriver sur la fin de l'année, comme on a ce point de départ d'engraissement avec la période estivale où c'est des fois un peu sec et on n'a pas trop d'herbe, on a un laps de temps qui est assez court sur la fin de l'année. L'avantage sur le printemps, si on lâche tôt, on a quand même plus de temps. Et en fin d'année, on va être raccourci par le fait que si jamais d'un seul coup, on a un coup de froid, on a un coup de ci, on a un coup de là, dégelé, l'herbe est camoussée, on n'a plus rien, quoi. C'est là la différence. C'est le temps est plus court, quoi. Et puis les nuits qui sont de plus en plus longues aussi. On a un rétrécissement de ça et qui fait qu'on aura peut-être plus de mal à finir les animaux sur la fin de l'année. Mais après, par contre, c'est les hivers doux qu'on va avoir peut-être dans les années à venir, peut-être, ou machin. Celui qui va pouvoir lâcher des animaux très tôt ou même pas les rentrer du tout, je pense qu'un démarrage de printemps, engraisser dès le printemps, les animaux ont une meilleure transition alimentaire et vont démarrer encore plus. On le voit chez les éleveurs qui font des sorties tout début février. Moi, l'inconvénient pour moi, c'est que je mets toute la partie femelle à leur pro, donc toutes les génisses quoi, à leur pro, et donc du coup, tant que je n'ai pas échographié, je ne peux pas engraisser puisque j'attends d'avoir les échographies, les résultats des échographies pour pouvoir lâcher. Mais si je pouvais lâcher plus vite dans des parcelles un peu plus saines, quitte à mettre moins d'animaux, au lieu de mettre, j'ai dit 6, mais 10 bêtes sur une parcelle, en mettre que 3 ou 4, mais il faudrait pouvoir le faire. Le seul inconvénient qu'il y a, c'est que voilà, moi, j'ai cette contrainte-là, quoi, qui est d'attendre les échographies. Quoi.
Donc j'ai encore des questions. Quel chargement pour un lâcher en février ? Il y avait une autre question. C'est ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas forcément de chargement. C'est-à-dire qu'il faut mettre très peu d'animaux sur une... Si la surface est petite, il faut mettre très peu d'animaux. Si la surface est grande, vous pouvez mettre plus d'animaux. Mais faut... Voilà, c'est... Je ne sais pas, moi, c'est grosso modo 2 bêtes à l'hectare et encore... Je ne suis même pas sûr qu'il n'y en faut pas plus, même encore presque 1,5 hectare ou 2 hectares. De la surface, quoi. Qu'elles trouvent leur vie, qu'elles commencent à préparer, comme disait tout à l'heure Arnaud, hein, qu'elles commencent à se préparer à la transition, mais sans pour autant aller piétiner les parcelles. Parce que là, je l'ai vu l'autre jour, moi, dans le pâturage dynamique, quand j'ai commencé à lâcher, j'avais mis des photos et tout le monde me disait « mais t'es descendu trop bas ». En fait, sur le terrain, le visuel n'était pas le même. Mais c'est simplement que les bêtes avaient noirci l'herbe. Parce que ben, même que c'était, il n'y avait pas forcément beaucoup plus, mais on a ce piétinement de printemps qui est quand même là, qui est présent. Mais les parcelles sont parties, là, il faut voir déjà l'air, ça peut y avoir. Mais voilà, si on peut arriver à descendre à 30 arts par UGB pour engraisser, à un moment donné, là, il faut peut-être être à 60, 70 ou plus, quoi. 80 ou plus encore. Mmh. J'ai une question pour vous trois. Est-ce que les parcelles qui sont en pâturage tournant sont fertilisées ? Je ne sais pas. C'est répondre à l'auteur. Je ne vais pas tout le temps répondre. Pour les Benoît ? Bah alors, par définition, non. Je suis en bio. Enfin, j'exagère, puisqu'on peut fertiliser quand même. Mais non. Non. Et puis, en plus, pour le coup, chez moi, c'est les parcelles qui reçoivent le plus de fertilisants, puisque comme j'ai une légère complémentation... ces parcelles-là ont plutôt tendance même à s'enrichir par rapport au reste d'exploitation. Et voire même peut-être, ça peut poser problème à certains moments, à certains endroits de la parcelle qui deviennent riches et moins appétants pour les vaches. J'ai remarqué ça sur une de mes parcelles. Un endroit qui était plutôt fertilisé parce que c'était un endroit qui était proche des auges. Et je remarque que les vaches ont un peu de mal à... C'est la partie qu'elles mangent en dernier, en fait. Voilà. J'ai une réponse de Baptiste, hein, qui dit que donc, oui, les parcelles reçoivent du fumier tous les 3 ans et un peu de chaux. Et donc, j'ai quelqu'un qui a levé la main. Je ne sais pas si la personne veut prendre la parole. Oui, je crois que c'est moi. Chez moi, au niveau fertilisation, toute la ferme est en fumier tous les ans. Et sur les parcelles d'engraissement, après, je ne mets plus pratiquement plus d'intrants chimiques. Quoi, donc, okay. Et puis pour les autres élevages qui sont en suivi engraissement, là j'ai en tête 2 exploitations, c'est à l'identique que les autres éleveurs, c'est de l'apport de fumier en fin d'année, de temps en temps du carbonate sous forme de coquilles d'œufs broyées, et sinon pas de fertilisant chimique. C'est ce que les vaches retransmettent directement au pré, quoi. Oui, mais c'est réparti correctement. Donc un coup de boulot ou un coup d'herçage quand il y a possibilité de faire, et puis voilà. Voilà ce qui est dans la conduite. Donc, on avait une question de Pascal Faure. Oui, bonjour, Pascal Faure. Je suis conseillère fourrage dans le Puy-de-Dôme. J'ai des questions par rapport à la complémentation en fourrage sec. Comment font les éleveurs pour faire consommer du fourrage grossier sur du pâturage ? Parce que nous, c'est beaucoup le problème, en fait, c'est que... On met à disposition, mais une fois qu'elles sont nées dans l'herbe, le fourrage grossier, elles le laissent un peu de côté. Donc, s'il y a des trucs et astuces, on est preneur. Baptiste, tu vas peut-être répondre, mais de toute façon, c'est à disposition et c'est quand elles en ressentent le besoin, elles viennent y grignoter directement. Je ne me rappelle plus combien de fourrage elles avaient consommé sur la période... Ouais, c'est infime après. Ça devrait être même pas ramené sur la période, ça devrait même pas faire 1 kilo par jour. Ou, enfin, c'était vraiment très peu, mais Baptiste va sûrement nous faire un retour sur ça. Et c'est par rapport aux transitions, justement, quand on dit on veut les mettre tôt dehors et on veut assurer une transition, et je trouve que c'est compliqué ça. Juste pour faire une. Alors, la transition, moi perso, j'ai fait des essais en mettant du fourrage. Je vais prendre un exemple sur les petits veaux. Alors, les petits veaux qui ont déjà quand même 4 mois et demi, je leur ai mis une botte de foin dans l'endroit où je vais les nourrir dans quelques temps par complémentation, pas à l'eau, quoi. Donc, j'emmène l'aliment tous les matins. Donc, ça ne sera pas avant fin mai.
Et là, donc, dans ce paddock-là, dans ce petit recoin-là, j'avais mis une botte de foin. Grosso modo, sur un lot de 17 à 20 mâles, admettons, c'est, allez, bon an, mal an, une botte de 250 kilos d'ici le mois de juin, quoi. Voilà, c'est infime, mais comme tout à l'heure, ça a été dit, hein, c'est quand ils en ont besoin, ils vont grignoter un petit bout, mais c'est infime. Et les bêtes que vous allez lâcher, et s'ils ont de l'herbe, voilà, les génisses qui ont été lâchées, elles n'ont eu aucune complémentation en fourrage. La différence qu'il y a, c'est qu'on est sur de l'herbe en lâchant un peu plus tôt. Je suis sceptique sur le fait qu'ils en aient vraiment besoin. Après, elles vont chercher ce qu'elles veulent. Elles vont chercher l'herbe qui est restée un petit peu de l'hiver, qui va être un peu déjà un peu défraîchie ou n'importe, qui va leur faire ce qu'il leur faut pour faire le tampon. L'herbe tendre, elle n'est encore pas arrivée. Elle arrive là maintenant, quoi. Donc, du coup, si vous avez lâché tôt, eh ben, elles ont l'herbe plutôt qui est gelée, l'herbe qui est moins forte en matière azotée. C'est à la date d'aujourd'hui, là, au 1er avril, que la matière azotée elle arrive. Et donc, du coup... Je ne suis pas sûr qu'ils en ont besoin de beaucoup et il ne faut pas se catastropher à croire qu'une vache, une génisse qu'on veut lâcher et qu'il faudrait qu'elle mange 10 kilos de foin comme si elle était à l'intérieur. C'est faux, elle n'en a pas de besoin, à mon avis, quand elle en a mangé 200-300 grammes. C'est plus sur la fin de l'année où on avait fait l'essai cette fin d'année, c'était toi, Vernie, qui demandait. Les laitones, moi, je les ai remis en pâturage tournant, tous mes lots de laitones étaient repartis en pâturage tournant. Et arrivé à une période, Véronique, tu avais posé la question à savoir est-ce qu'on enfourageait. Et la semaine d'avant, je t'ai répondu non, pas encore. La semaine d'après, je t'ai répondu oui, ça y est, j'ai commencé. Et c'était marrant parce que les laitones avaient vraiment besoin. Parce qu'on était tombé dans de l'herbe qui était plus pleine de flotte, parce qu'il y avait plus un peu ou n'importe. Voilà, c'est là, c'est trouver le juste milieu. Quand est-ce qu'elles en ont besoin? Est-ce que quand l'herbe est trop trempée, quand c'est aller trouver le moment. Mais elles n'en ont pas forcément tout le temps besoin, elles se régulent d'elles-mêmes. Après, c'est ce que disent les éleveurs, parce que c'est vrai que les deux années où on a des repousses d'automne, au printemps, ça dépend quand c'est qu'on lâche, mais à l'automne où on a souvent des taux de matière sèche très faibles avec des niveaux de matière azotée très élevés, on s'aperçoit, tout le monde dit, bah, de toute façon, ils ne vont pas y manger. Et bien, si tous les éleveurs qui leur mettent du foin, ils y mangent. Et il faut faire confiance aux animaux, en fin de compte. Par contre, il faut que ça soit accessible facilement. Voilà, qu'il n'y ait pas de bagarre autour, etc. Et après, elle se gère. En fait, quand elle se gère, et il faut faire confiance à ces animaux à ce niveau-là, franchement, elle se gère, qu'elles en ont vraiment besoin, que ça tortille, je pense qu'elle ressent le besoin. Donc, Baptiste a rejoint en disant que oui, elles peuvent ne pas en manger pendant une semaine et en manger énormément en deux jours, donc elles en mangent si elles en ont besoin de ruminer. Je ne sais pas si Benoît voulait réagir sur cette question. Alors oui, mais ma réaction va être courte. Je suis un mauvais élève, moi, de ça, de donner du fourrage au pâturage. Je le fais pas. Alors, il y a aussi que mon herbe, à moi, elle est sûrement un peu moins riche que celle de tous vos intervenants, donc peut-être que ça joue aussi. Et puis, j'ai tout simplement un problème pratique avec ça, c'est-à-dire que j'ai une douzaine de troupeaux au pâturage. S'il faut que je donne du foin en même temps que je fasse tourner, etc., je m'en sors pas, quoi, en fait, tout simplement. Mais je vois qu'on n'a plus de questions, donc si vous voulez, on va poursuivre. C'est pas le témoignage, sachant aussi, quand même, pour finir, excusez-moi, c'est que ma ration hivernale sur les animaux que je mets à l'engrais, elle est un peu humide déjà, puisque c'est de l'enrubannage. Donc, peut-être que ça facilite un peu la transition avec une alimentation complètement humide à l'herbe. Quoi. Peut-être. Baptiste, si t'es là, est-ce que tu peux... Il n'a pas de micro. Ah, il n'a pas de micro. Non. Ah. Je vais faire... Ben, Sarah va faire Je vais te présenter la mise en place de ton pâturage tournant avec ton évolution. T'hésites pas à faire une remarque par message s'il y a quelque chose que j'ai oublié ou que auquel j'ai pas pensé. Donc, Baptiste, quand il a attaqué à faire le suivi engraissement à l'herbe en 2019, c'était sur une parcelle d'un peu plus de 7 hectares et demi, à peu près, où on avait un accès à l'eau qui se faisait sur plutôt le bas, enfin, au milieu et en bas de la parcelle. Et le carré que vous voyez en haut, qui est plutôt violet, c'est l'accès au parc où on pouvait reprendre les animaux.
Donc, il a fait deux couloirs avec une découpe de 7 paddocks. Donc, grosso modo, les paddocks faisaient à peu près, à peine un hectare, ils faisaient 0,80 hectares à peu près. La première année, en fait, les deux dernières parcelles, il les avait court-circuitées pour faire de l'enrubanage. Donc, il faisait dans un premier temps tourner les bêtes sur les cinq autres parcelles et puis elles revenaient dans le circuit courant juin. Donc ça, c'était sa conduite sur la première année. La deuxième année, il n'y a pas eu de découpe, il n'y a pas eu de parcelle court-circuitée pour l'engraissement. Mais l'enrubanage. Mais par contre, il avait la volonté en fait de redécouper encore plus les parcelles pour avoir de l'herbe de qualité disponible et vraiment limiter au maximum les refus. Donc l'année d'après, et puis jusqu'à encore cette année qu'on l'a suivi, il a tout simplement en fait enlevé le couloir du haut et redécoupé les parcelles encore en deux, ce qui fait que ça fait 14 parcelles de disponibles, donc ils tournent tous les 2-3 jours, quoi. Avec l'accès de l'eau qui se fait en bas et le fameux râtelier qui est tout le temps à disposition pour les bêtes. Donc ça, c'était un principe de Baptiste. Chez notre éleveur, chez Simon Dumonté, la première année en 2019. Tu aurais pu dire quelque chose de Baptiste ? En 2019, chez Simon Dumonté, il avait découpé la parcelle, donc c'était une parcelle d'un peu plus de 4 hectares, il l'avait découpé en 4 bouts. Et en fait, il s'est vite aperçu que s'il se faisait déborder par l'herbe, il court-circuitait une parcelle, donc plus de pâturage tournant. Donc en 2020, ce qu'il a mis en place, c'est qu'il a découpé en 6 parcelles. Pour être sûr de ne pas se faire déborder et donc de limiter les refus et permettre de faire tourner plus vite les animaux. Et les années qui ont suivi, il est repassé à 5 parcelles pour la simplicité de fil de disponible. Voilà. Mais il avait bien compris le fait qu'il ne fallait pas rester sur 4 parcelles parce qu'on se fait vite, on arrête vite le pâturage tournant si on se fait déborder par l'herbe. Donc, j'ai des questions. Oui. Combien y a-t-il de parcelles d'animaux sur les parcelles du GAEC du Briand ? Chaque année, ça doit être pas loin d'une trentaine, entre 25 et 26 à peine. Oui, une vingtaine, 25, ouais, mélangé vaches et génisses. Et donc, pour revenir sur la parcelle, sur le suivi de Baptiste, pour l'accès à l'eau sur les deuxièmes. Oui, en fait, le fil, la découpe, c'est comme un fil avant. Donc, les bêtes, elles ont toujours en fait, accès. Il fait manger les parcelles du bas, il les fait manger. La parcelle est découpée au moment où elle mange en bas. Et puis après, quand il veut les faire accéder en haut, il enlève le fil du milieu et les bêtes accèdent aux parcelles d'en haut. Et elles reviennent en arrière pour boire. Au lieu de tourner 4 jours sur une parcelle, elles font 2 jours, 2 jours avec simplement un fil avant pour avoir son fil arrière, pour avoir accès à l'eau dans le bois avec la contrainte. Ah oui, donc du coup... En fait, elle repasse sur la personne qui a fait. Oui. C'est la solution de l'alternative. Et l'eau, c'est quoi ? C'est la source. C'est une source, oui. Qu'on doit aménager. C'est que l'idéal, ce serait qu'il y ait un accès à l'eau là où il y a le parc, mais après, bon, voilà, on fait en fonction d'eux. J'ai vu que Benoît avait levé la main, je ne sais pas si tu. Je ne l'avais plus levé, donc c'est bon. Oui, non, mais c'était un peu ça. Ma question, c'était de savoir les animaux avaient en permanence accès au couloir pour l'eau, quoi, tout simplement. Ok. Si pour le deuxième couloir, c'est une mise en surface quand même. Autrement, mais bon. Voilà pour les différents types de. Si on continue le pâturage tournant, vas-y encore. Donc pour le GAEC VSA, en fait, c'est simple. La première année, on va dire qu'il n'y avait pas de pâturage tournant. C'était une parcelle en 3 et on va dire qu'il n'y avait pas de. Oui, la photo va s'afficher. On peut pas dire qu'il n'y avait pas de pâturage tournant, d'où les résultats, enfin toutes les performances sur les croissances des bêtes. Et puis les années qui ont suivi, ils ont pris le temps là, de choisir une parcelle où ils pouvaient découper.
Donc là, l'idée, en fait, c'était une parcelle coupée en 5 avec l'eau en plein milieu de la parcelle. Amélie, est-ce que c'est toi qui as suivi le suivi? Est-ce que c'est toi qui as suivi l'engraissement? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'aménagement? Sur la découpe, ouais. Donc, c'est vrai qu'avec Vincent, donc ça avait été. Enfin, c'est vrai qu'ils sont pas mal débordés. Donc, quand ils l'ont fait la première année, ça a été fait, mais au final, le suivi n'a pas été fait. Les bêtes n'ont pas spécialement tourné en temps et en heure. Et il a fallu se poser la question la deuxième année de dire bon, ben voilà, on n'a pas fait les croissances escomptées, sachant qu'on a déjà un handicap, je ne sais pas si on peut dire ça, mais les bêtes ont beau ne pas être complémentées. Pendant la période hivernale, hein, elles ont juste des fourrages, mais des fourrages de très bonne qualité. C'est vrai qu'on sort avec des notes d'état qui sont peut-être trop élevées, et ce qui fait que bah, c'est vrai que le premier mois, généralement, on a même des bêtes qui sont, enfin, au bout d'un mois, moins lourdes qu'au lâcher. Donc, il a fallu se poser la question sérieusement de mettre en place un pâturage tournant efficient. Donc, il s'est fait sur 5 paddocks. Si je ne dis pas de bêtises, la parcelle fait 3 hectares 22 de mémoire. Et on met à peu près 8 génisses dessus. Donc, on était à un chargement de mémoire de 40 heures par GP. Ça doit être ça, oui. Et donc, il a fallu aménager un point d'eau central, donc il a été aménagé comme vous le voyez, hein, puisque la parcelle n'était pas, ça posait un petit peu souci. Donc sur le point d'eau, sur le paddock du milieu, il y a eu un accès à l'eau qui a été fait, donc un aménagement pour amener l'eau sur une parcelle en continu à cet endroit-là. Après le fait de la première année, par contre, où on avait pour le coup, un démarrage dans le pâturage tournant qui était compliqué, ça nous a permis aussi d'avoir un petit peu un peu de repère, et puis voir comment ça se comportait après, et voilà. C'est vrai qu'on a une comparaison qui est assez intéressante, du coup. Des questions, non? Non, pour l'instant, je n'ai pas de questions. Puis si on vient à la découpe du parcellaire de Thierry. Mais... Thierry, est-ce que je te laisse parler de l'évolution de ton pâturage tournant, enfin de tes pâturages tournants, pour pourquoi tu es arrivé jusqu'au dynamique depuis 2022? C'est ça. Eh bien, l'exploitation est tout en pâturage tournant 100%. Que ce soit les laitons sont entre 4 et 6 paddocks, les génisses de 2 ans pareil, entre 4 et 6, et puis les vaches, tout ce qui est vache avec des femelles est à 6 paddocks, et tout ce qui est vache avec des mâles, j'arrive à descendre jusqu'à 4, puisque j'arrive à complémenter les mâles à partir de fin mai, début juin, donc du coup je me permets de descendre un peu. 4 paddocks, voire mes fois 3 si jamais il y a une trop grosse prise d'herbe. Donc du coup, l'engraissement à l'herbe a démarré sur la toute première, il devait y avoir de mémoire 3 paddocks, qu'on a fait un essai, ça ne me convenait pas, du coup j'ai repris des fils, j'ai recoupé en 6 paddocks. Et puis donc ça c'était la partie génisse, la partie vache avec suité était à 4 ou 5 paddocks. Donc du coup, les premières années on a fait les premières pesées, c'était pas sur place, c'était un peu folklorique, quoi. Il fallait récupérer les génisses, les ramener à chaque fois. Et depuis, on a fait quand même de bonnes croissances et on avait réussi à les emmener jusqu'au bout sans aucun aliment en ce qui concerne les génisses à l'engraissement. Les vaches suitées donc, avaient eu une petite complémentation. Et on est venu l'idée, on avait visité une exploitation qui était en système pâturage dynamique. Et du coup, j'ai trouvé ça pas mal et j'ai voulu l'essayer. Là, je l'ai fait directement sur place, sur l'exploitation, derrière un bâtiment qui n'est pas très loin
du parc de contention non plus pour pouvoir faire les pesées. C'est l'adduction d'eau, donc j'ai tiré les tuyaux d'eau au milieu de la parcelle. La parcelle est coupée en trois grandes longueurs, où j'arrive à monter suivant le nombre d'animaux que je mets, mais si on tourne à 8 génisses à l'engraissement sur 2 hectares 70-80, j'arrive à monter jusqu'à 36 paddocks. Et donc, l'évolution fait que l'année dernière, on aurait eu une année sûrement très bonne, parce qu'on était parti sur les chapeaux de roue, ça allait très bien. Au niveau des croissances, bon, le terrain, c'est du caillou chez moi, donc c'est pas non plus exceptionnel, loin de là. On a réussi quand même à faucher une des trois longes pour enrubaner, donc qui fait grosso modo à peine un hectare, 90 ha, dû faire 7-8 bottes d'enrubanage, devant le nez des génisses parce que elles étaient dépassées. À la fin, j'en ai refauché encore un peu pour nettoyer. J'ai dû refaire trois bottes par là dans un des autres couloirs. Preuve qu'on peut encore arriver à piquer quand même sur 2 hectares 80 avec 8 génisses, on arrive encore à piquer des morceaux. Et on n'aurait pas eu la grêle. Je pense qu'on les emmenait au bout sans ration, sans rien, quoi. En sachant que les parcelles sont plus séchantes dans le pâturage dynamique que là où on était en pâturage tournant au départ sur 6 paddocks, où c'était les morceaux qui étaient alimentés par le ruisseau source, et c'était les morceaux qui étaient un petit peu plus frais, et où on avait peut-être un peu plus, gagnait peut-être un peu moins la période estivale. Malgré que, comme les génisses, moi, sont lâchées à des poids déjà avancés, généralement, au 1er juillet, les premières sont déjà parties. Quoi. Tu leur donnes combien tous les jours, à peu près? Grosso modo, 8 génisses, on était l'année dernière, j'étais à 800 mètres carrés. Après, c'est suivant aussi la pousse d'herbe. Je peux diminuer, comme là pour le moment, sur le lâcher là, de printemps. Donc, quand je les ai lâchés l'autre jour, la première parcelle, c'est ce que disaient tout à l'heure certaines personnes par rapport à comment les vaches mangent l'herbe. Si on a de l'herbe qui est plus dure à manger, comme par exemple du dactyle, du brome, des trucs comme ça, qui sont l'herbe plus dure, pour les obliger à la manger. Et donc, dans la découpe des pâturages tournants qu'on va faire, il faut toujours en mettre un petit morceau dans chaque paddock, mais pas mettre obligatoirement tout un paddock. C'est le mieux de tout. Bon, des fois, ce n'est pas facile. Mais comme là, par exemple, avec le pâturage dynamique, la partie où des fois, il y a un petit peu de dactyle ou n'importe, tu les serres plus et elles l'ont descendu et... Là, je vais bien faire ramper le dernier coup. Là, maintenant, on va avoir de la bonne. Des feuilles que des feuilles, quoi, mon prochain coup. Après, j'étais dans de l'herbe qui était plus dans de la vieille prairie, qui était dans le fond de la parcelle. Au lieu de 800 mètres carrés, j'ai tourné à 1200, ouais, largement. Et puis, je suis en train de revenir par l'autre côté, puisque c'est jamais qu'un circuit. Hein. On avance, on remonte, on redescend, et ainsi de suite. Le mieux, ce sera encore 4, comme ça, tu vois. Mais bon, j'en ai 3. Et là, du coup, je rarrive dans l'autre couloir où je rarrive dans du dactyle un peu. Et donc là, je vais les resserrer un petit peu plus, quoi. Mais voilà, il faut jouer sur la hauteur d'herbe. Et il y a des herbomètres, il y a l'œil de la personne quand on a l'habitude ou n'importe, et c'est calculé, quoi. Il y a la botte, oui, il y a signe. Mais c'est... C'est ne pas dire que c'est impossible parce que ça prend beaucoup de temps. C'est de l'installation. Grosso modo, là, les 2 hectares 80, je les ai coupés en trois couloirs et après, il y a un fil tout autour donc pour pouvoir se raccorder dessus. Les couloirs sont tout en fixe en poteau bois et fil fer. C'est grosso modo une demi-journée. Le temps d'enfoncer les piquets, c'est une journée de boulot, quoi. Grosso modo, le temps d'enfoncer les piquets puis de mettre les fils. Et après, c'est en gros 10 minutes le temps de changer l'auge de place tous les deux jours, l'auge d'eau, pardon, qui est raccordée par des raccords automatiques. Mais autrement, le fil en lui-même, c'est même pas 5 minutes, quoi. C'est enrouler le fil, le redéplacer pour le jour d'après, puis ainsi de suite, quoi. Il faut que c'est mis en place, c'est une journée de boulot, et il faut que c'est mis en place, c'est 5 minutes par jour, quoi, 10 minutes par jour. C'est fil avant, fil arrière. Fil avant, fil arrière, par contre. Alors, peut-être que la question viendra tout à l'heure. Pour le moment, il n'y a pas d'ombre. Je n'ai pas senti l'année dernière les animaux. Une fois que je les passais dans la parcelle, ils allaient manger, après ils allaient se coucher.
J'ai pas eu de problème. Bon, après, voilà. Dans les années à venir, comme il y a des fils au milieu de la parcelle, je peux me permettre peut-être de replanter quelques arbres. Mais bon, l'année dernière, j'ai pas eu de problème. C'est vrai qu'avec le pâturage dynamique, par rapport à du pâturage encore tournant, c'est encore. C'est plus passionnant. Oui. Question. Il y a des questions ? Il y a des questions pour l'instant, on peut suivre. Là, c'est le temps des chambres, on peut déjà dire les visites. Donc, en attendant qu'il y ait des questions, dans le projet du Body, ce qu'on a prévu, c'est ce qu'on appelle les cafés à l'étang. En fin de compte, c'est des visites bout de champ, enfin des bouts de pré, où on vous propose d'aller voir les lots et puis de discuter avec les éleveurs de l'évolution, comment ils s'organisent, quand c'est qu'ils changent, quelles sont leurs réactions en cours de printemps. Sur le problème de l'herbe, c'est vrai que c'est que chaque printemps est différent. Il faut que l'éleveur s'adapte. On a prévu d'aller chez Augaec Dubrion à Cyril le Noble, donc le 27 avril et le 30 mai. Donc, sauf si il y a d'autres soucis, on ne sait pas ce qui va se passer en printemps, mais la première date devrait être bonne. Le RL Gevrey à Dracy-Saint-Loup le 4 mai et le 8 juin. Et puis chez Benoît Boutier à La Roche-en-Brenil le 11 mai et le 15 juin. Voilà. L'objectif, c'est d'aller voir comment ça se passe et puis de discuter sur le terrain avec les gens qui seront intéressés de voir un petit peu comment ça se passe sur le terrain. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. De toute façon, on va recommuniquer les dates. Oui, on a l'herbe hebdo, on a les sites internet. Je veux dire, les dates seront confirmées. Confirmé régulièrement. Il y a des questions ? Moi, je n'ai pas de questions pour l'instant. Donc, allez-y, n'hésitez pas si vous avez besoin d'infos complémentaires sur le sujet. Après, moi, je vais juste rebondir sur une chose, c'est par rapport à la réflexion que tout le monde se fait, et les gens qui sont... Ça le prenait pas mal, mais... Ne pas croire que, je ne sais pas s'il y a la carte tout à l'heure de la Saône-et-Loire, c'est vrai que c'était bien ciblé sur un secteur. Si on reprend le secteur, dans la Bresse, là, tu viens de dire que, les animaux, machin, Bresse, on peut avoir aussi des plus d'herbe. Après, par contre, dans le Charolais, il y a des secteurs où l'herbe peut être un peu meilleure, mais quand on avait tout à l'heure tous les graphiques de l'herbe, il n'y a pas forcément des gros écarts. Savoir que l'exploitation, par exemple, de Guillaume Mateuil, qui était le départ, Guillaume, là-dessus, il faut quand même dire merci, parce que c'est lui qui a donné un peu l'idée quand même, quoi. C'est Guillaume, on a sûrement une herbe qui est sûrement peut-être meilleure, possible, mais quand on voit les analyses d'herbe, pas forcément mieux qu'ailleurs. Sachant que quand on prend les exploitations qui sont à l'écran, si vous prenez le RL des Coquelicots, donc chez Frédéric Demeux, la Rigny-sur-Arroux, nous restons quand même sur du sable, de la roue. C'est assez séchant. Chez Frédéric, on arrive à faire il est en BO aussi, on arrive à faire des GMQ qui sont plus que corrects, avec des terrains qui sont relativement séchants et pas non plus extraordinaires. Chez moi, quand je vous disais tout à l'heure que chez moi c'était du caillou, dernièrement, quand Véronique nous est venue avec l'école de Charolles, les petits piquets pour le pâturage dynamique, c'est les petits piquets spéciaux là, qui sont gros comme... même pas un stylo là, pour les rentrer, vous les rentrez pas, quoi. Les gars, ils se sont amusés, ils ont essayé, les piquets, vous les rentrez pas. Donc c'est le caillou et ta fleur chez moi. Moi, Clément, vous pouvez ouvrir une carrière de caillou, quoi. D'ailleurs, c'était ce qu'ils faisaient dans les parcelles du pâturage tournant de départ. Ils avaient tiré le caillou dans la butte de l'autre côté pour faire les routes autour de chez nous. Donc ne pas croire que le terrain, tout à l'heure on parlait de la Côte d'Or, ne pas croire que les terrains sont meilleurs chez les voisins. Simplement, il faut adapter son chargement
et regarder comment pousse l'herbe, et en fonction de la pousse de l'herbe, aller chercher cette herbe qui est entre 5 et 10 cm, c'est celle qui est la meilleure, ne jamais se faire dépasser, ne jamais aller au-delà, tout à l'heure tu disais 12, voilà, c'est ça le but du jeu, c'est d'arriver à ne jamais descendre en dessous de 5, bien comprendre que si on descend en dessous de 5, l'herbe met plus longtemps à revenir, mais que par contre, entre 5 et 12 cm, on a une herbe qui est relativement bonne, elle est de la même qualité avril-mai, à mon avis, qu'on soit n'importe quel coin du département ou même à mon avis en Côte d'Or. Seule différence, c'est quand on arrive dans les mois séchants, dans les sols à faible potentiel, on va plus sécher vite. Quoi. C'est la réserve utile qui fait la différence. Quoi. Comment ? C'est la réserve utile qui fait la différence. Voilà. Et la différence, c'est que ne pas croire que c'est possible chez les autres et impossible chez moi, faux, tout est possible. Et après, la différence, c'est que le pâturage tournant ou le pâturage dynamique, c'est un petit peu de temps de mise en place, mais une fois que c'est mis en place, après, ça va très bien. Alors, j'ai des questions. Bah, une dont tu viens de répondre, hein, c'était quelle hauteur d'herbe à l'entrée et à la sortie de la parcelle préconisez-vous? Donc, on sort absolument les animaux de la parcelle à 5 cm, hein, on ne va jamais en dessous. Et... Sachant que si encore on est dans une pousse d'herbe, ce n'est pas la peine, si on a le nombre de jours, on n'est pas obligé d'aller chercher les 5 cm. Oui, oui, tout à fait. Oui. Maximum à 5 cm, on sort. Par contre, hein, tu vas tournant, hein, on l'a expliqué. La base, c'est 4 paddocks. 4 paddocks, c'est 7 jours. Donc, si vous avez déjà atteint les 7 jours et qu'il reste encore 6-7 cm, on sort quand même. Et puis donc, 12 cm, c'est à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il va falloir envisager de débrayer une parcelle. J'ai une autre question qui est à peu près dans la même thématique. Au départ, comment déterminez-vous le chargement? Je vais laisser Véronique répondre. Ah, bah, le calcul du chargement, il va être fonction. Je ne veux pas dire qu'on fait du pifomètre, mais un petit peu. Je dirais que la difficulté, c'est de partir sur le rendement de la parcelle. En pâturage, on ne l'a jamais. Donc, on part souvent sur le potentiel des parcelles de foin à proximité. Pour donner un ordre d'idée. Et après, on regarde un petit peu le potentiel sur ce qu'on appelle les jours d'avance sur la période de printemps pour déterminer un petit peu le chargement que l'on va mettre. Après, quand on organise un pâturage tournant, je dirais que d'expérience de tous les groupes qui sont passés en formation et puis qui des éleveurs qui font des essais, c'est que la première année, en général, on prend le chargement qui existe déjà. On divise. Donc, l'idéal, c'est diviser. On parle de 4, mais l'idéal, c'est de 5, parce que ce que disait Sarah, cet excédent, l'objectif, c'est d'aller le chercher, donc de l'enlever, pas de le laisser gaspiller, même si on fait d'autres systèmes de report d'herbe sur pied, des fois, mais pas pour du pâturage d'engraissement ou avec des lots où on a des gros besoins, un peu exigeants. Donc, c'est 5 paddocks, et puis après, on fait tourner. Et on s'aperçoit, après, c'est l'éleveur qui, en fonction de sa pousse, faut savoir que tous les éleveurs, le premier retour qu'ils nous font, et ça, j'insiste, je veux dire, ça, c'est dire d'éleveur, hein, c'est qu'il y a la performance des animaux, on parle de croissance, mais le premier effet, c'est au bout de 2 ans, je n'ai pas la même flore, je n'ai pas la même pousse, mes trous se sont bouchés. Je dirais, le fait de s'occuper autant d'herbe que de vos animaux, eh ben, vous avez une prairie qui change et vous améliorez son potentiel. Voilà. Mais après, je veux dire, il n'y a pas une réponse, dire c'est standard, etc. Je veux dire, on voit très bien, même sur une exploitation, suivant les terrains, ce n'est pas tous les mêmes. Et donc, à un moment donné, il faut s'adapter. Et souvent, on part de l'histoire, de ce que vous avez l'habitude de pratiquer. Et puis après, on commence par diviser. Et puis après, on s'adapte. On voit que les gens rajoutent des vaches, souvent, la plupart, ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent des parcelles. Quoi. Souvent, c'est comme ça que ça finit. C'est-à-dire que de 4 paddocks, on arrive à 6, puis après à 8. Et puis on se prend au jeu, quoi. Donc, il y a Benoît qui va dans ton sens en disant que c'est un ajustement permanent en fonction de la pousse de l'année. Mmh. Nous, c'est des constats qu'on fait. Hein. Chaque année, on fait des mesures et quand on met les coupes en face, elles se superposent rarement, pas même jamais. Mmh. Par contre, j'ai une question, très bonne question. Est-ce que certaines races se prêtent mieux à l'engraissement à l'herbe? Oui. Des races. Il y a les races anglaises sont connues pour s'engraisser de peur.
C'est-à-dire que on a une tendance à l'engraissement beaucoup plus facile, quoi. Je ne suis pas sûre qu'en GMQ, il soit meilleur que le charolais ou que certaines races françaises qui au niveau croissance, sont très bonnes. Par contre, c'est vrai que des races type Hereford, Angus, etc. sont connues, ces races anglaises, hein, à la base, sont connues pour avoir un taux d'engraissement très rapide, quoi, de persiller dans la viande beaucoup plus rapide que sur le charolais, où justement l'objectif c'était d'avoir à la base la viande plutôt maigre, quoi. Voilà. Bah, mais c'est des races très, très précoces, quoi. C'est des races très précoces, voilà. C'est des races extrêmement précoces. Ça rejoint un petit peu la remarque de Thierry tout à l'heure, quand il parlait de la première année avec les jeunes vaches et puis le lot de vieilles vaches. Les jeunes vaches, elles ont utilisé aussi une partie du pâturage tournant pour continuer de faire de la carcasse aussi, quoi, de se développer. C'est pour ça que les croissances étaient un peu différentes aussi, quoi. Bah, il faut savoir aussi que voilà, on parle de race, mais aussi il y a la génétique des animaux. Quoi. Parce que voilà, notamment en charolais, on a une génétique qui est assez variable, avec des animaux qui peuvent aller sur du très très conformé, comme sur des animaux très précoces. Donc le profil génétique aussi va faire que les animaux sont plus faciles à engraisser que d'autres, certains que d'autres, quoi. Avec ce qui a été évoqué sur la possibilité de finir les femelles à l'automne, avez-vous prévu de mettre en place un suivi dans une exploitation avec un sevrage à l'automne suivi d'une finition des vaches de réforme sur un pâturage tournant d'automne début d'hiver? Là, de suite, oui. Bah, disons que si on a un financement pour, on le fera. Un financement et puis un éleveur volontaire. Hein. Ça, les éleveurs volontaires, on en a toujours tous. Après, il y a peut-être des fermes expérimentales qui peuvent se prêter aussi. Oui, il y a des fermes expérimentales qui peuvent faire ça. N'est-ce pas, Antoine? En parlant de race, Antoine Buteau, si tu nous, si t'es encore là, sur les essais engraissements qui avaient été faits à la ferme des Bordes, est-ce que c'était fait sur les charolaises ou les limousines? Ou les deux? L'essai a été fait sur les charolaises. Ah oui, ok. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Taurigny d'Anjou qui est présent, ou alors même si, ou Antoine, si tu peux répondre par rapport à l'engraissement, est-ce qu'il y avait eu des essais sur les Angus, si tu en as la connaissance, ou Angus pur? Ben non, ils font en croisé. Ben, Taurigny, ils font en croisé, oui. Après, de l'engraissement en Angus pur, on doit avoir des références aussi, pas forcément en France, hein, par contre, mais il y a des références là-dessus. En fait, ce qu'il faut comprendre avec les différentes races, c'est que plus on va avoir des animaux, voilà, conformés, plus ça va être des animaux qui vont être exigeants, en fait, qui ont une capacité d'ingestion qui est faible. Donc, plus on va avoir des animaux à une capacité d'ingestion faible, plus la densité énergétique de la ration, peu importe de quoi elle est composée, elle devra être élevée. Donc, on va dire que plus les races vont être conformées, plus elles vont être, faudra être pointues. Et après, je pense que sur des races extrêmes conformées, ça va être, ce sera très compliqué, voire même impossible, notamment avec voilà des blancs bleus ou des partenaises. J'imagine que d'avoir une finition totalement à l'herbe sur ce type d'animaux-là, à mon avis, va être beaucoup plus compliqué, voire impossible, quoi, d'avoir vraiment des animaux finis avec ces rations-là. Donc j'ai un retour, ce n'est pas en Bourgogne, mais il y a eu un essai à la ferme expérimentale des Établières sur l'engraissement de vaches de réforme charolaise à différentes périodes, notamment en fin d'automne, début d'hiver, mais avec seulement un pré-engraissement en pâturage avant entrée en bâtiment par manque de portance des sols. Oui. Ok, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Les éleveurs, c'est ce que... les contrats de fin d'année. Quoi. Après, moi, pour l'éleveur, et pas dans l'essai ni quoi que ce soit, mais j'ai un éleveur qui a mis un pâturage tournant sur des vaches chutées, mais d'élevage l'année dernière. Et puis, à cette fin d'année, il s'est retrouvé avec deux vaches qui sont sorties échographiées pleines et qui sont retrouvées vides en fin d'année. Et puis, une qui a perdu le veau tout début novembre. Donc, c'était déjà un petit peu chargé dans les bâtiments. C'est des arins qui portent, donc il les a laissés.
Il les a laissées dehors. Donc, celle qui a perdu le veau, bon, ça l'avait un petit peu secoué, donc celle-là, elle n'est pas prête à tuer. Mais celle qui se retrouvait vide en fin d'année et qu'on passait quand même une bonne fin d'année, que ça avait déjà bien commencé, moi, je les ai reposées l'autre jour parce qu'ils voulaient voir pour se faire un petit peu une idée pour vendre. Bah là, les deux, elles sont bonnes à tuer, quoi. Elles ont passé l'hiver dehors, qu'elles ont tourné sur, les a fait tourner sur une grande surface sur le pâturage tout simplement, et puis elles se sont engraissées l'hiver toutes seules dehors. Mmh. Et là, elles ont 960-970 kilos, donc elles sont bonnes à tuer. Je voudrais juste rebondir tout à l'heure par rapport à l'histoire du chargement. On peut prendre plusieurs critères en compte. C'est suivant les catégories, sur des jeunesses que vous voulez qu'ils fassent du GMQ quand même, pour pouvoir rentrer en fin d'année avec quand même un poids minimum, ou ainsi de suite. Moi, je tourne à grosso modo deux UGB, 2,2 hectares, en sachant que une fois les foins ou l'enrubannage fait, je peux le réouvrir pour descendre à 1,4 de chargement. Sur des vaches avec des femelles, je tourne à 2,2. Et comme il n'y a pas de complémentation sur les petites femelles, du coup, j'essaye de tourner pas trop plus de 2 et redescendre justement à 1,4 une fois les réouvertures. Sur les lots avec des mâles, je tourne à 2,2 UGB hectare. Sachant qu'après, on est sur des calculs d'UGB qui sont des fois pas forcément d'accord avec les personnes de la chambre. Chez moi, les veaux, étant né octobre-novembre, moi, je me retrouve avec des veaux là, quand ils s'alignent, sachant que l'hiver... La ration que je leur fabrique en petit veau, c'est une ration à base avec de la fibre, avec 14% de fibre. Là, quand ils s'alignent avec les vaches, là, tout est lâché, tout est dehors. S'ils se mettent bien en ligne, les veaux ne mangent pas tout à fait autant que les vaches, mais je vous garantis que ça fait une belle tombe. Ils mangent, mais donc je compte 25. Mais bon, après, à la date de... Oui, c'est à peu près ça. Et puis sur les génisses, eh ben, les génisses de 2 ans qui sont pleines, là, 2 ans et demi, je compte 0,7, 0,8. Et puis sur les ce qui est jeunesse un peu plus jeune, entre 0,6 et 0,7. Ce que disait Thierry là, par rapport au chargement, c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, on a quand même des dates de vélage très hétérogènes sur tout le département, mais même ailleurs. Donc avec des poids de veau qui sortent, certains ils ont 1 mois, 15 jours, et d'autres ils ont déjà 5 mois. Et donc, on prend comme référence ce qu'on appelle les EVV, que Arvalis nous avait sorti il y a déjà pas mal d'années. On se sert de ça pour tenir compte, en fin de compte, du poids des animaux que l'on sort, quoi. C'est-à-dire que les UGB, quand on parle d'UGB, ce n'est pas des UGB, quoi, c'est des EVV. Parce qu'en plus, les vaches qui faisaient 650 kilos, elles font 900 kilos. Beaucoup de gens utilisent plus les UGB. Ouais. Après, on a l'herbe hebdo, c'est tout bien mal marqué. Moi, je suis, comme dirait l'autre, je ne suis pas très intelligent et donc je me limite des fois, mais je vais. Non, mais c'est important, le chargement, il fonctionne quand même du gabarit du cheptel. Ce qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est qu'un UGB, en fait, c'est une quantité de matière sèche ingérée par jour, en fait. Donc, forcément, si vous avez une vache de 600 kilos ou une vache de 850 kilos, elles n'ont pas la même quantité de... Mais on est au même point, quand tu dis ça, on est au même point, c'est avec Arnaud qu'on y va regarder, c'est la même chose qu'avec de l'herbe, on fait la même chose qu'une ration hivernale. Une ration hivernale, on va leur calculer combien on va leur donner à bouffer, et là, on est avec de l'herbe, mais on ne sait pas calculer qu'est-ce qu'on va leur donner à manger avec de l'herbe. C'est exactement le même principe. J'ai une question, après, je ne sais pas si c'est très détaillé, vous voulez peut-être affiner votre question. Le pâturage sur 365 jours, est-ce possible? Donc, quel est le fond de la question? C'est le pâturage, de toute l'année. Ça se fait dans certains coins. Le plein air. Oui, mais par rapport à quoi? Ah, si c'est pour du vous pouvez ouvrir le micro, hein, si vous voulez redemander, affiner votre question. Après, le pâturage hivernal ou estival, je veux dire, il y a des cheptels qui aujourd'hui sont en train de réfléchir, parce que je pense climatique, on se pose beaucoup de questions par rapport au stock et l'allongement du pâturage. Il y a des régions qui ont déjà passé le pas, certains éleveurs ont passé le pas. Après, comme disait Thierry, je veux dire,
Il y a des saisons où on se dépêche de les rentrer parce qu'on n'a pas envie de massacrer les prés. Donc, c'est vrai que la portance joue beaucoup. Et après, l'organisation du pâturage. Je veux dire, on a des éleveurs qui ont laissé pâturer quasiment tout décembre, janvier, cette année, des animaux. Mais c'est très découpé et c'est très chargé. Mais par contre, les animaux, ils passent un jour ou deux quoi, sur les parcelles. Et au bout d'un jour ou deux, on s'aperçoit qu'il y a moins de dégâts que si on les laisse 3-4 jours. Quoi. Le micro de la personne ne marche pas, c'est surtout savoir le repos hivernal de l'herbe, quelle est son importance. Ça dépend de son chargement. Tu dis quoi, Sylvie ? Moi, je dirais simplement que le pâturage 365 jours, c'est possible, mais qu'est-ce qu'on veut faire du pâturage hivernal ? Est-ce qu'on veut faire du pâturage intensif avec du plein air et avoir beaucoup d'animaux sur une faible parcelle ? Et là, on est dans du pâturage intensif, donc c'est du pâturage, c'est carrément du pâturage, du pâturage. Et donc du coup, par contre, si on veut faire du pâturage hivernal, mais à faible, c'est peu d'animaux sur une grande surface. Du moment qu'on arrive sur beaucoup d'animaux sur une faible surface, c'est deux solutions, c'est où on laboure pour ressemer, ou alors on ressème derrière, on importe, mais on fait massivement qu'une seule et unique personne. Oui, c'est des paddocks de simplement d'hivernage, quoi. Mm-hmm. Après, c'est des choses qui sont en train, enfin, c'est des choses qui se sont, enfin, le pâturage hivernal, et enfin, on parle aussi des records d'herbe sur pied. Je veux dire, Jalouny avait fait des essais justement sur le pâturage hivernal des génisses. Qui avaient très très bien marché, ils avaient fait des très bonnes croissances, en laissant, l'objectif c'est de laisser en défendre la parcelle pour avoir du stock sur pied, donc ça veut dire, enfin c'est du foin quoi, sur pied. On a certains éleveurs, dont en Saône-et-Loire, qui sont dans la période estivale, qui sont en train de faire des essais, enfin ça fait déjà quelques années qu'ils font des reports d'herbe sur pied l'été, qui se disent bah, plutôt que de faucher pour redistribuer l'été, bah, je vais économiser le tracteur et le bonhomme. Et du coup, au lieu de faucher, bah, ils reportent. Alors, par contre, moi, dans les deux cas, je dirais que l'important, c'est que ce n'est pas du refus, c'est bien du report. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que les animaux ont laissé qu'ils ne voulaient pas au départ, c'est bien des choses qui ont été bien pâturées au départ au printemps. Et c'est des excédents qui ont été repoussés, donc parce qu'ils sont tous en pâturage tournant, ceux qui font ça. Et qui, ça leur permet, de, bah, suivant ce qu'ils laissent en report, puis suivant les années, il n'y a pas une année pareille. Des fois, on a pour 15 jours, un mois et demi de stock. Voilà. Ça protège la parcelle. Le pâturage hivernal, je pense que l'INRAT a beaucoup travaillé dessus, le Massif Central travaille beaucoup dessus. Après, c'est une question de portance, on ne peut pas non plus dans les terrains argileux, voilà, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais je veux dire, c'est des choses qui, suivant les situations, chaque éleveur trouve sa solution, quoi. Mais c'est tout à fait possible. Je veux dire, en pâturage, je pense le report d'herbe l'hiver, ça c'est connu, ça marche. Après une sécheresse, est-ce qu'on aura une repousse à l'automne ou pas, ça, qui est capable de le dire, voilà. Après, bon, ça va dépendre des chargements de chacun, quoi. Et puis, il faut vraiment adapter, voilà, au type d'animaux qu'on va alimenter. Oui. Hein. Là, c'est de l'entretien. C'est de l'entretien. Faible besoin. Si on est vraiment sur une volonté de faire vraiment du plein air intégral, je pense qu'il faut quand même, il y a quand même des points assez essentiels qui me semblent importants. C'est que déjà de pouvoir alimenter sur des zones assez longues. Voilà, parce que je vois souvent, c'est plutôt un râtelier fixe, mais tous les animaux n'ont pas accès vraiment tout le temps pour consommer la ration. Donc vraiment avoir plutôt de la longueur et puis si possible, pouvoir distribuer au sec. Voilà, des choses simples, mais un petit avant-toit pour que les animaux puissent manger au sec, potentiellement une petite zone de couchage au sec aussi. Et je pense que c'est les solutions qui permettent bah, notamment des économies de paille, de choses comme ça, quoi. Et des conditions sanitaires aussi qui sont très intéressantes aussi, hein. Donc voilà. Donc ces critères-là, portance et une bonne surface pour distribuer à l'auge. Et un accès d'eau qui ne gèle pas. Également, oui, ça... on l'oublie souvent, l'eau, dans la question. Il y a Pascal Faure qui a levé la main, qui veut prendre la parole.
Oui, c'était pour apporter notre vision Puy-de-Dôme là, sur ce pâturage hivernal, où, enfin, à mon sens, en fait, c'est vraiment quelque chose qui se réfléchit à l'échelle d'un système en entier. Parce que pâturage hivernal, ça veut aussi dire moins de fumier à épandre après ailleurs. Ça veut dire aussi, en termes de gestion sanitaire, le repos hivernal, il a aussi, sur des parcelles qui ont été pâturées de façon intensive, il a aussi une mission de, comment dire, de vide sanitaire qui peut être intéressant, et laisser des animaux en permanence sur les parcelles tout le temps, ça peut gérer, enfin, entraîner des soucis aussi. Je rejoins complètement ce qui a été dit en termes de portance et d'exposition, parce que enfin, chez nous, on va choisir des parcelles où il n'y aura pas trop de courant d'air. Parce que les animaux n'aiment pas forcément. Donc voilà, c'était le pâturage hivernal. Oui, c'est possible. Après, nous, souvent, les gens qui le font, en tout cas chez nous, c'est plutôt des situations contraintes. Et par rapport au report de stock sur pied, on a, alors je ne sais pas si vous avez chez vous, mais nous, on a un gros problème de campagnols terrestres. Et laisser des hauteurs d'herbe importantes sur l'hiver en me disant je vais les faire consommer peut-être par les animaux, c'est aussi fournir des abris aux campagnols. Voilà, c'était pour nuancer un peu la notion de pâturage hivernal. J'ai le retour d'Alexis, pardon, du nom Gorgneron. Pâturage hivernal et cette taurinier d'Anjou croisée Angus Limousin, a priori pas d'impact sur le rendement des prairies l'année suivante. À suivre. Okay. Après, c'est vrai que ben, C'est ce vraiment que très lié au disait contexte. Pascal Faure, c'est important, c'est le contexte, les situations de chacun. Moi, j'ai un éleveur qui est en pâturage hivernal, enfin, il pâture toute l'année, il rentre les animaux que pour l'élevage, pour les surveiller une quinzaine de jours, pour être sûr que les veaux têtent. Lui, si je me souviens bien, l'hiver, il continue à tourner, c'est-à-dire que les animaux valorisent de l'herbe tout l'hiver. Par contre, c'est dans le Morvan, donc c'est portant. C'est des sols qui portent, il y a des abris, c'est quand les abris, il y a des arbres autour, donc il y a des abris. Et puis, par contre, lui, il ne met pas de râtelier, donc il distribue, il déroule du foin tas par tas, c'est-à-dire que s'il y a 12 bêtes, il va mettre 14 tas, quoi. Pour être sûr que tout le monde mange en même temps et qu'il n'y ait pas une qui mange plus que d'autres, etc. Voilà. Après, bon, c'est des terrains qui portent très très bien, c'est un chargement qui est inférieur à un UGB, quoi. J'ai un commentaire, oui, donc on conseille aussi, bah, c'est ce qu'on met également dans les RVBO, hein, on conseille 2 mois de repos pour la prairie pour redémarrer au printemps. Oui, c'est mieux. Idéalement, donc ça c'est la mesure en bovin, même sur 70 jours, on préconise en ovin, je crois que c'est plus doux. Ouais, après, en Auvergne, ils sont à peu près le même système, ils sont. Enfin, on a un éleveur là qui a un pâturage qui est parti pour ses brebis, hein, pas pour ses agneaux, en pâturage sur 365 jours. Bah, il gère comme des bovins, quoi, sauf que bah, il tourne aussi avec des cipans. Alors, on a une question qui revient sur le pâturage tournant. Comment déterminer, donc ça revient à la question du chargement tout à l'heure, hein. Comment déterminer la taille optimale des paddocks et des lots d'animaux? Y a pas, ça dépend. Enfin, quand je dis il n'y a pas, sur le charolais, comme disait Thierry, des fois ils vont être à 30 arts par EVV, et puis dans le Thunois, ils vont être à 50, quoi. Après, je veux dire, enfin, chacun son potentiel. Après, c'est vrai que plus on a un lot important, mieux c'est. Donc c'est vrai que les vélages d'automne ou août, qu'on peut lâcher des gros lots sans les taureaux, en fonction des taureaux, etc., mais c'est plus facile. Après, oui, il faut des lots plus importants pour éviter d'avoir des petites parcelles, quoi. Parce que quand on veut faucher, ben, quand c'est tout petit, c'est un peu plus, enfin, c'est une autre organisation, quoi, voilà. Mais après, bon, il n'y a pas de contre-indication, je veux dire, enfin. Au début, on découpe au moins 4-5 paddocks, et puis après, on voit si on se fait dépasser, si voilà, chaque potentiel est tellement différent d'une parcelle à l'autre. Notre plus vieille parcelle, enfin, dans le réseau Pousse, on a un éleveur qu'on suit depuis presque 10 ans,
Quand j'ai repris, c'est toujours le même lot, les mêmes parcelles que l'on suit. Quand j'ai fait les mesures de tonnes de matière sèche mesurées sur tout le printemps, ça allait de 3 tonnes et demie de matière sèche à 5 tonnes de matière sèche. Ça veut dire qu'on voit bien que suivant les années, ben, il faut s'adapter et c'est que votre expérience, l'expérience de l'éleveur qui va faire la différence, c'est-à-dire que c'est qui va savoir comment vite réagir, quoi. Et ça, c'est l'expérience qu'on fait petit à petit. Donc au début, on se tous dépasser, je pense, à peu près. C'est à peu près ça. Et puis après, ben, il charge un petit peu plus, il découpe un petit peu plus. Voilà, je veux dire, on peut faire du conseil au départ pour dire, enfin, même entre éleveurs, des fois, l'éleveur, on a une autre vue parce qu'on se met beaucoup de barrières. Je pense qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui se mettent des barrières. Je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Et puis, quand on a voir quelqu'un d'extérieur, ça peut me dire, bah, tiens, ça donne des ouvertures, c'est tout. Et puis après, voilà, après, c'est l'éleveur qui va faire son expérience et puis qui va s'adapter. Et je pense que lui, il connaît ses terrains, il connaît son cheptel. Voilà. Après, sur le terrain, moi, tous mes lots sont. C'est tout calculé avant de lâcher. J'ai une petite fiche Bristol et j'ai ma liste des animaux qui vont aller dans chaque parcelle et ainsi de suite. Donc mes lots sont calculés. Je sais que je peux mettre tant de bêtes. Tant de vaches à veau, tant de vaches avec des mâles sur cet îlot-là. J'essaye d'éviter de recharger parce que je vais être dépassé, je vais avoir trop d'herbe. Je ramène des vaches d'ailleurs parce que là, il n'y en aura pas assez. Moi, j'évite de remélanger mes lots au courant de l'année. Je préfère. Maintenant, on a du matériel. Moi, j'ai. Et encore, je ne suis pas forcément. Certains anciens ont connu encore bien pire que moi, mais je veux dire. J'ai connu le matériel où la faucheuse, il fallait encore tourner la manivelle pour baisser le damier, fallait descendre pour aller ouvrir la faneuse à la main, et puis machin, l'endaineur, il fallait. Bref, maintenant, on est dans le tracteur, on appuie sur le bouton, tout se déplie, je veux dire, on arrive, même si la parcelle est petite, tout est possible, quoi. Tout est possible, comme dirait l'autre, tout est possible, tout est réalisable. Je préfère autant prendre un bout de fil. Deux ou trois petits piquets, hop, j'en recoupe un petit morceau, je vais récupérer quatre bottes par-ci, quatre bottes par-là. Les quatre bottes que je vais aller récupérer, c'est les endroits où les bêtes ont moins pâturé, parce que l'herbe était peut-être moins bonne, le fait de l'avoir fauché, de lui avoir redonné de la lumière, l'année suivante, eh ben, on a repris de la meilleure herbe, parce que justement, elle a chopé un peu de lumière, on a enlevé cette mauvaise herbe, parce que c'est la bonne qui a repoussé, et ainsi de suite. Après, c'est mon avis personnel. Dans les essais qu'on a depuis, moi c'était tout début avec Eric Braconnier, donc il y a déjà je sais combien d'années qu'on suit avec la chambre, mais la flore a changé dans mes parcelles du tout au tout, quoi. Après, rien n'empêche que les années où on a la sécheresse, la flore elle s'en va un petit peu, mais les années où on a sous le coup, on a repris un peu d'eau, la flore elle revient quoi qu'il arrive. On avait l'impression que le trèfle était parti. L'année où on a eu de l'eau, on n'a jamais vu autant de trèfle. Et la preuve. Et entre ce que tu cours circuit, dont tu dois un petit peu dépasser, et puis ce que tu piques devant le nez des vaches, quand ça ne va pas assez vite, ça représente pratiquement 150 à 200 bottes, quoi, quand on arrive tout à l'heure. Donc c'est pas rien non plus. Une réaction de Benoît qui dit oui, on prévoit au lâcher et on met tout au panier en fonction de l'année. Benoît, n'hésitez pas à intervenir hein, à l'oral si vous voulez, si vous apportez plus de complémentation. Ouais, sur des terrains beaucoup plus difficiles que chez nous. Tu dis quoi, Benoît? Benoît, est-ce que vous voulez intervenir? D'accord. Excusez-moi, j'étais en train de manger. Excusez-moi. C'est pour ça que je répondais alors à l'écrit. Non, mais c'est vrai que c'est une adaptation permanente. C'est compliqué, quoi. Enfin, moi, je trouve ça très compliqué. J'ai l'impression de me tromper tous les ans. Donc, voilà. Mais je m'adapte après, quoi, une fois que je me suis trompé. Voilà. Oui, merci. Je vois qu'on a, on a quelqu'un qui lève la main, donc ça va être Alexis Gagneron, si vous voulez intervenir. Ouais, c'est moi qui avais laissé, vous m'entendez? Oui. Ouais, j'avais laissé le petit message concernant Taurigné. Donc juste en précision, ils font quand même beaucoup d'essais sur plein de choses, en particulier le pâturage hivernal. Bon, alors on est quand même sur des Angus limousins, donc sur les poids des animaux, ça n'a pas la même impact sur la portance des sols que des charolais, on est d'accord. Eux, ils disent, avec quand même des rations qui vont pratiquement à 80% avec l'herbe pâturée, c'est-à-dire qu'ils complémentent assez peu sur ces rations hivernales,
Il n'y a pas d'impact sur ce que je disais, ce que j'avais écrit, il n'y a pas d'impact sur le rendement de l'année suivante, donc à poursuivre, à voir si sur plusieurs années, etc. Et il n'y a pas de modification, ce qui est beaucoup plus important par rapport à ce qu'on dit, attention, sur pâturage, etc. Eux, ils ne constatent pas de modification de la composition prairiale l'année suivante non plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ben, on se trompe tout le temps, c'est vrai, mais je pense que la modification de tout ce qu'on peut voir, etc., fait qu'il y a de l'herbe à aller pâturer, en tout cas à aller récupérer à d'autres périodes. Nous, sur la période sud, puisque ben, moi, je sais le Tarn, on a beaucoup d'éleveurs qui ont récolté là au mi-février. Donc, moi, j'ai des résultats d'analyse, etc., c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a toujours les coûts de méca, on est d'accord, mais ils ont quand même récupéré pratiquement 2,5 tonnes et sur des valeurs alimentaires qui feraient frémir par rapport à ce qu'on peut essayer de récolter d'habitude au printemps. Ça veut dire que tout change et il faut prendre en compte de toutes ces modifications, je pense. Voilà. C'était juste un petit commentaire. Après, voilà, il y avait quand même niveau français, hein, des très grosses disparités aussi de précocité. Hein, c'est ce que déjà, même au niveau local, on a des grosses disparités, mais alors au niveau national, entre Torigny, dans le Tarn, et puis si on part vraiment le Jura ou des choses comme ça, les niveaux de précocité sont totalement différents. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a forcément une adaptation à chaque situation sur jusqu'où on peut aller valoriser dans l'hiver. Forcément, si on a 6 mois d'hiver où il pousse rien, comme des zones tardives comme on peut avoir, faire du pâturage hivernal, ça ne va pas durer très, très longtemps. Alors que si on a des hivers qui durent que 3 mois, voilà. Par contre, on aura peut-être des problématiques différentes dans ces secteurs-là par rapport à vous dans le Tarn sur l'été, où jusque-là, on a moins de périodes de creux de nécessité d'affourager sur l'été, jusque-là, je dis bien. C'est vraiment une adaptation locale, quoi. Moi, je dirais le contraire. C'est-à-dire que ce qu'on va pouvoir aller chercher au pâturage, c'est justement de plus en plus tôt, voire l'hiver. C'est-à-dire que nous, sur le sud-ouest, hein, le grand sud-ouest, je pense que quand on arrive là, début juillet, c'est fini, quoi. Oui, bah oui, justement. Ouais. Mais par contre, vous pouvez commencer beaucoup plus tôt. C'est ça. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui commencent, au moins, bon, un peu moins cette année, mais en général, mi-février, hein, sur les petits ruminants, ils commencent à pâturer. Donc, Thierry Pirot doit nous quitter, donc on le remercie d'être intervenu, de se déplacer jusqu'à nous. Parce que, puis après, s'il y a encore des questions, on va essayer d'y répondre. Mais il a des obligations personnelles, donc il doit nous quitter. Donc, on le remercie d'être intervenu et puis d'être toujours présent pour nos essais herbes. Je pense qu'on peut remercier aussi pour le coup les. Au revoir, Thierry, merci. Les autres éleveurs, il y a tous les éleveurs aussi qui nous prêtent leur lot des mesures. Nos bêtes. qui prennent du temps aussi, justement, pour qu'on ait un certain nombre de renseignements. Voilà. Donc, Baptiste qui était là, et puis M. Boudier aussi, puis qui. Après, nous remercier, c'est bien, mais. Nous, perso, moi personnellement, c'est ce qui m'a fait avancer. C'est pas forcément que la partie engraissement à l'air, mais la partie exploitation chez moi, de tout départ, quand je suis sorti d'école, l'exploitation de mon père était toute petite, mais c'était de l'alternative, un coup à gauche, un coup à droite, quoi. Et grosso modo, sur une quinzaine de jours. La première journée de formation que j'ai fait avec Eric Braconnier à l'époque, je suis rentré le soir, j'ai chopé le tracteur, les piquets, et j'ai recoupé les parcelles, je les ai recoupées en deux, donc je n'ai fait 4. Quoi. Et depuis, bah, j'ai fait qu'évoluer, et à chaque fois que je reprends une parcelle, là encore hier soir, j'ai fait de la voiture. J'en ai repris, c'est une petite parcelle de mon oncle qui est juste devant chez moi, mais il y a 3 hectares, je l'ai recoupé en 4. Quoi. Donc voilà, j'ai dessiné des plans, mais c'est plus fort que moi. Je ne peux pas avoir une parcelle. Si je mets un lot de bêtes, il faut que je puisse la faire tourner. Pour que mon lot de bêtes puisse tourner au minimum à 4 paddocks. Mais après, c'est devenu. Je ne dis pas que la chambre a que des bonnes idées. Hein, bon, là, hein. Bon, après, vous savez plus vous sentir dans vos chaussures. Mais simplement, voilà, c'est toi qui le disais un jour, on n'est pas là pour ni obligé, ni amener que des éléments, c'est retranscrire ce qui peut se faire sur le terrain, c'est ce qui est possible ou pas possible, mais ne pas croire que c'est impossible. Toujours essayer, et ce
Là, ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a eu quelques années en arrière encore, on pouvait faire pâturer l'été. Maintenant, l'été, ça commence à devenir compliqué. Mais maintenant, on va peut-être se poser la question de comment pâturer l'hiver. L'évolution du climat, l'évolution de cycle, et c'est à nous, exploitants, de se remettre en cause et à vous de nous aider à nous remettre en cause sur nos exploitations pour aller chercher un maximum, un fermage et de temps et l'herbe. Ce qui coûte le moins cher sur nos exploitations, puisqu'on a de fermage de toute façon, quoi qu'il arrive, ou à moins qu'on soit propriétaire, mais malgré tout. Quoi. L'herbe, c'est ce qui nous coûte le moins cher. Quoi. Un camion d'aliments qui arrive dans la cour, l'herbe est beaucoup moins chère qu'autre l'herbe. Et avec les analyses que vous avez faites, on a la preuve que l'herbe est même plus forte quasiment qu'un aliment du commerce. Quoi. Merci. Merci Thierry. Merci bien. Eh bien, je vous laisse. Désolé. Claire, est-ce que tu veux faire une brève conclusion pour boucler le webinaire? Oui. Au revoir Thierry, merci. Oui, donc on s'était engagé à terminer à 16h, donc c'est vrai qu'on va essayer de tenir les délais. S'il y a encore d'autres questions, est-ce qu'on peut laisser le contact de quelqu'un, enfin de l'équipe? Peut-être, je pense que ça serait bien de mettre dans la conversation un mail, si ça ne vous embête pas. Et je pense que ça serait bien aussi s'il y a d'autres questions par la suite. Ouais. Oui, on va le faire, oui, pas de souci. Oui. Donc, bon, on vous remercie tous, en tout cas, pour les échanges. On s'attendait quand même pas à voir aussi d'autres régions qui étaient présentes. Et c'était très intéressant d'avoir aussi votre retour et puis... votre regard sur ce qui peut se faire en Bourgogne-Franche-Comté. Donc la prochaine étape, c'est rendez-vous sur le terrain pour voir réellement les parcellaires, les animaux. Donc je suppose que certains d'entre vous sont trop loin pour s'y rendre, mais en tout cas pour ceux qui sont proches des exploitations, vous êtes les bienvenus. Et comme l'a dit Véronique tout à l'heure, on va communiquer sur les lieux, les horaires, donc via les réseaux sociaux, les sites comme d'habitude. Et puis le diaporama, quelqu'un posait la question. Il sera, comme le webinaire a été enregistré aussi, le diaporama sera évidemment disponible. Donc si vous voulez jeter un œil sur les données qui ont été présentées, vous pourrez le faire aussi ultérieurement. Donc merci à tous et puis bonne fin d'après-midi et bientôt, bon week-end. Merci. Merci. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et merci à l'équipe pour les présentations et aux éleveurs qui étaient là en tout cas.